Bonsoir, bonsoir, ça va? Très content d'être là, content d'être avec vous autres, content d'être ici ce soir. Un petit peu mal, par exemple. Je me sens un petit peu mal à l'aise de faire des spectacles ces temps-ci, puis je t'explique pourquoi. C'est parce que ça va pas bien en ce moment économiquement, on s'entend? Tu sais, il y a des mesures d'austérité, une espèce de récession et tout ça. Et moi, je me sens mal de faire des spectacles dans ce temps-là, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui font des sacrifices pour venir voir des spectacles. Hein? Ça veut dire que du monde font comme « Non! Il n'y aura pas de viande ce soir, les enfants! » Parce que votre mère et moi, on fait des sacrifices pour aller voir Guillaume Wagner en spectacle qui va nous faire oublier nos vies de marde, contrairement à vous. Et moi, je suis pas à l'aise avec ça, OK? Non, parce que moi, il faut que tu comprennes, je suis pas le genre d'humoriste qui te fait oublier le monde de marde dans lequel tu vis. Je suis le genre d'humoriste qui te rappelle le monde de marde dans lequel tu vis. Tu comprends? Ouais. Moi, je suis le genre d'humoriste que tu fais comme « Oh my God, t'as-tu vu à quel point le monde, c'est de la marde? » Puis moi, je te réponds, tu essaies de regarder ça avec des jumelles. T'sais, c'est le genre d'humour que je fais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fixé le prix des billets pour mon spectacle à 30$. Moi, 30$, je trouve que c'est fair. Bon, je sais que ça revient à plus que 30$, vous me faites fourrer par les billetteries, c'est pas mon problème. Non, mais là, c'est cher, les shows d'humour maintenant. Tu vois, ça coûte 40$, 50$. Il y en a, ça va jusqu'à 60$ le billet pour quelqu'un qui parle tout seul dans un micro. C'est beaucoup trop. Et non, c'est trop de pression. Hein? Trop de pression pour moi, mais trop de pression pour vous aussi. Tu sais, parce que quand tu payes un 60$ pour un show d'humour, tu vas te sentir obligé de rire. Hein? Sinon, tu serais cave d'avoir payé autant. Hein? Fait que tout le long de la soirée, tu te forces comme ah! Donne mal aux tempes. Tu comprends? T'es comme tendu le lendemain à job. Puis, c'était-tu bon le spectacle d'humour hier? Oui, j'ai ri pour 60$. Je suis pas un cave. Ça, c'est too much. Trop de pression. Hein? Les Morissettes, oui. Très bon exemple. C'est-tu que j'aime mon public? Câlisse, vous comprenez mes jokes. J'ai même pas besoin de donner le sous-texte. Mais ça, on va le couper. Anyway. Non, mais c'est vrai. C'est de la pression. 60$, c'est trop de pression pour moi aussi, en passant. 60$, trop de pression pour moi parce que si j'avais fait payer 60$ ce soir, j'entrais le besoin de plaire à tout le monde dans la salle ce soir et ça, c'est pas quelque chose que je veux faire nécessairement ce soir, OK? Ce soir, peut-être qu'ils aimeront pas ça, peut-être qu'ils vont être choqués, peut-être qu'ils vont quitter, je le sais pas, je m'en calisse, OK? Non, parce que les gens qui plaisent à tout le monde sont plates en tabarnak, on peut se le dire, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, le problème des gens qui plaisent à tout le monde, c'est qu'ils disent jamais rien d'important, c'est ça l'affaire, tu sais. Non, c'est vrai, les gens qui plaisent à tout le monde disent jamais rien d'important, on va faire un exercice, OK? Pense dans ta tête à quelqu'un dans le show business qui plaît à tout le monde, cette personne-là a jamais rien dit d'important. Oui, en passant maintenant, les noms à mes spectacles, faut les dire dans sa tête, OK? Moi, je nomme plus personne, fuck that, c'est terminé. Hein, les vedettes, ça a de la pépine, ça va jouer à victime à TV. Fuck off. Toi, tu l'as compris, OK. Non, je veux plaire à tout le monde, parce qu'anyway, techniquement, c'est pas possible. Tu peux pas plaire à tout le monde dans la vie. Et déjà, la job que je fais, c'est compliqué. Vous le réalisez pas parce que vous le faites pas, mais c'est weird, pareil. Tu sais, vous avez payé pour que je fasse rire aux 30 secondes. Je vous connais pas, c'est-tu? Non, mais c'est vrai, quand tu penses à moi, je connais personne ici, mais il faut que j'arrive à faire rire en même temps. C'est weird quand tu y penses. C'est quand même... Tout le monde ici, vous avez des personnalités complètement différentes, mais il faut que j'arrive à faire rire au même point. C'est weird quand tu y penses. Comme disons, toi, je te connais pas, OK? Je t'ai jamais vu de ma vie, j'ai aucune idée t'es qui, mais il faut que je te fasse rire ce soir. C'est weird quand même. C'est mal parti, à me regarder, j'ai pas ri une fois, c'est de la cinéma. Donne-moi une chance, j'ai aucune information sur toi, je te connais pas. C'est quoi ton nom tout d'abord? Marie-Claire. Tu veux, déjà là, tu me donnes du matériel comique. C'est, non, c'est une blague. C'est une joke, c'est une joke. C'est une joke. Les enfants, hein, pour les faire, on peut prendre de l'alcool, mais pas quand on choisit les noms. Anyway. C'est une blague, Marie-Claire. C'est un très beau nom, très joli. Fait, qu'est-ce que tu fais, mettons, le dimanche matin, Marie-Claire? Tu fais-tu comme des brunchs avec tes amis de filles, comme « Ah, tournez de mimosa, les filles, wouh! » Genre la personne-là? Non? Qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu t'occupes de tes enfants, t'es fucking plate. Fait que faut faire rire, ma... Ah non, mais t'es une bonne mère, OK, c'est cool, pis ça. Fait que faut que je te fasse rire, toi, qui m'a donné comme une information de plus. T'as des enfants, OK, c'est bon. Et faut que je fasse rire lui aussi en arrière, hein, qui lui va sur Internet commander des mangas japonaises pornographiques dans lesquels il y a des monstres qui rentrent le tentacule. Et nous, il faut que je fasse rire les deux en même temps. C'est ça mon point. Toi, avec, je suis tombé dessus. Fais pas semblant, je le vois dans tes yeux. Puis il regarde en arrière. Non, non, ton sel était ouvert, j'ai tout vu, esti. Anyway. Ça pour dire que vous êtes différents, gang. Faut que je vous fasse rire en même temps, c'est compliqué, là. C'est comme en ce moment dans la salle ce soir, il y a probablement une personne qui fait du bénévolat dans la vie, puis une personne qui est homophobe. Faut que je fasse rire les deux en même temps. C'est weird quand tu y penses. Quoi que ça peut être la même personne, doit être plus rare, on s'entend, hein? Un homophobe qui fait du bénévolat, je sais pas ce que ça a l'air. Comme bonjour, je suis venu donner de mon temps pour les personnes en difficulté, mais avant, je vais dire que moi, je vais être polydestin de ta bête, doit être plus rare. En même temps, de quoi je parle? Homophobie plus bénévolat, ça existe déjà. Ça s'appelle l'Église catholique. OK. Si tu fais des « oh » là-dessus, attache-toi, tu vas te chier dessus tantôt, OK? Parce que c'est une des moins pires, là. Hein? Fais tes vocalises tout de suite. « Oh! »
Mais gars, t'es sensible, c'est correct, t'as le droit, OK? Non, non, mais t'as le droit. T'as le droit de trouver des gags moins drôles ou trop rough ou tout ça. Je comprends. Je comprends que c'est compliqué de faire des jokes maintenant, hein? N'importe quel joke que tu fais maintenant, ça chiale. Toujours des scandales pour tout. N'importe quel joke que tu fais, les gens te disent « Ben là, tu généralises! » Oui! C'est ça le concept de l'humour. On généralise, OK? Je t'avertis, ce soir, je vais généraliser, je vais exagérer, je vais faire des liens boiteux, OK? En gros, je fais de la démagogie, OK? Je suis comme Denis Lévesque, mais qui volontairement va être drôle. Tu comprends? Fuck, je viens de nommer un nom. Shit! Quoi que j'aimerais ça qu'il me poursuive, Denis Lévesque. C'est comme un rêve personnel. Je veux qu'il me poursuive. Je veux qu'il me poursuive, qu'il m'invite à son émission. Comme ça, vous êtes levé un matin, m'avez insulté. J'ai écrit une chanson là-dessus. Ah, c'est compliqué de faire des jokes, gang. Je sais plus ce qu'on peut faire pour vous faire rire. Tu sais, on nous enlève tous nos outils, les humoristes. Il n'y a plus rien qu'on peut faire pour vous faire rire. Hein? Ça chiale tout le temps. C'est comme on peut plus rire des minorités. Ça, la gauche n'aime pas ça. La gauche veut pas qu'on rie des minorités. Fait que moi, il n'y en a pas ce soir. Il n'y a pas de blague sur les minorités parce que la gauche n'aime pas ça. Fait que j'ai enlevé ça de mon spectacle. Et j'ai dit ça à mener un show. Une fille, elle va me voir après le show. C'est une fille noire homosexuelle. Puis t'es comme, ben là, si tu enlèves toutes les blagues sur les minorités, c'est que tu penses qu'on peut pas le prendre. C'est une forme de discrimination. Puis je suis comme, hey, t'es une minorité. On s'en calisse de ce que tu penses. Fait qu'il n'y en a pas ce soir. Parce que... Je suis respectueux, tu comprends? Non, c'est compliqué faire des jokes, gang. Je sais plus ce qu'on peut faire pour vous faire rire. Non, mais c'est vrai, on nous enlève tous nos outils. Quand je pense que la seule affaire qui reste qu'on peut encore faire pour vous faire rire, là, tout le monde est content, il n'y a pas de plainte, tout le monde est heureux, c'est les jokes de cul. Hein? Sur les jokes de cul, tout le monde est content parce que tout le monde a des organes génitaux, tout le monde est content. Il y a dit non. Fait que moi, ça va être ça ce soir. Ça va être 1h30 de jokes de cul. C'est ça que vous voulez, c'est ça que vous allez avoir, mes tabarnak. Bon. Il y a 12 tout croches qui sont contents, les autres mangeaient de la merde, ça va être pareil, OK? Je suis tanné d'avoir des plaintes. Bon, non, c'est pas vrai. Il y a une affaire que je pourrais faire qui n'est pas des jokes de cul et ça pourrait passer. Je pourrais faire du sarcasme puis l'ironie. Hein? Ça, pour ceux qui connaissent pas ça, le sarcasme puis l'ironie, c'est quand tu dis quelque chose, mais dans le fond, tu penses le contraire et là, les gens comprennent que tu penses le contraire puis ils trouvent ça drôle. Hein? Yvon Deschamps, il faisait ça. Hein? Yvon Deschamps, c'est pour ça que c'est le meilleur qu'on a jamais eu parce qu'il faisait du sarcasme puis l'ironie. Et ce qui est le fun du sarcasme puis l'ironie, c'est que tu as les deux groupes en même temps. Tu as les gens intelligents et les imbéciles en même temps. C'est de la magie. Le sarcasme et l'ironie. Hein, Yvon Deschamps faisait ça. Il disait, mettons, ah, les femmes, c'est des épaisses. Fait que là, les gens intelligents dans la salle étaient comme, OK, non, je comprends ce que tu essaies de faire. Puis les imbéciles étaient comme, pire que des épaisses. Fait que boum, ça fait les deux en même temps. C'est de la magie. Mais moi, je fais pas ça ce soir. Je vais faire des jokes de cul. Fuck that. Je me force pas. Bon, une autre affaire que je préfère, qui n'est pas des jokes de cul, ça pourrait passer. Je préfère des blagues politiques. Hein? Ça, il y en a qui aiment ça, les blagues politiques, mais moi, j'en fais pas. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que moi, je considère que quand on prend des gens, puis on les place au pouvoir, puis ils nous fourrent, c'est eux autres les caves, faut rire d'eux autres. Mais quand on le sait qu'ils nous fourrent, puis on les remet au pouvoir, c'est nous autres les caves, faut rire de nous autres. Oh oui, regardez-moi pas de même, vous rappelez pas de ça? Ah non, vous rappelez pas de ça? On a fait ça, nous autres, les Québécois. On a réélu les libéraux. Pendant la commission Charbonneau. Wow! Nous autres, les Québécois, tu nous la fourres dans le cul, notre réponse est « Mets-la dans ma bouche que je la nettoie. À mademoiselle Zette. M'a te mettre ça prap, prap, prap. » Ceux qui rient pas ont mauvaise haleine. C'est un fait. Non, j'ai un ami qui a voté libéral. J'ai demandé pourquoi il a fait ça. T'sais. Ça existe des gens comme ça. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça, man? Ben là! J'ai des amis un petit peu mongols quand même. Ben là! Le PQ, c'est pas mieux, man. Ça pas à comprendre, Guillaume, le PQ, c'est pas mieux. Okay, je suis quand même d'accord avec toi, mais c'est quoi la logique derrière ça? Hein? C'est comme dire, comme jamais Guy Turcotte va garder mes enfants. Y a-tu quelqu'un qui a le numéro de Guy Cloutier? Je veux dire, continue à réfléchir. Y a d'autres options. Là. Tu veux moins passer un peu. Fait que. Il n'y aura pas de blague politique ce soir, tu sais, pour dire... En fait, je dirais même pas mon opinion ce soir. Ça donne rien, donner son opinion. Maintenant, hein, maintenant tu donnes ton opinion, les gens n'analysent plus ton opinion, les gens analysent ta personne, c'est vrai, hein? Tu donnes ton opinion, les gens n'analysent plus tes arguments, les gens analysent qui t'es. Et pour ceux qui font ça, juste vous dire que ceux qui ont le même comportement en société, les chiens sont comme ça. Vous voyez ça? Un chien, c'est le même. Un chien, tu pointes quelque chose, il n'est pas capable de regarder ce que tu pointes, il regarde ta main tout le temps. Tu vois ça? Un chien, c'est cave, ça regarde la main tout le temps. Regarde-moi mon pitou, regarde-moi, tu me pas? Regarde-moi mon pitou, regarde-moi. Hein, veux que je regarde sa main? Ils ont même bizarre, ça, je regarde sa main, je sais pas c'est quoi le rapport. Non, 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 pas ma main au bout de mon doigt, pas ma main au bout de mon doigt. Oh, regarde là-bas, il veut vraiment que je regarde sa main. Je vais regarder sa main, donc surprise à me donner. Non, tu chien imbécile, tu chien cave, pas ma main, tu chien cave, pas ma main au bout de mon doigt. Oh, regarde là-bas, oh non, il est fâché, il faut me concentrer plus fort sur sa main.
Mais il y a du monde en société, ils sont exactement comme ça. Il y a du monde en société, ils sont pareils à ça. T'as-tu vu ça là-bas? On se fait fourrer. Ils sont en train de nous voler notre argent, ils coupent nos services, mettent ça dans leur poche, ils sont en train de nous fourrer. Est-ce que les jeunes, gang de bébés gâtés, ça se plaint tout le temps? Non, pas moi. Au bout de mon doigt, regarde pas moi. Au bout de mon doigt, regarde là-bas. Est-ce que ça a des cellulaires pis ça se plaint? Non, pas moi. Au bout de mon doigt, regarde. Oh, fuck off, lèche-toi l'anus, calisse mon patience, est-ce que... Fait que je donnerai pas mon opinion, ça donne rien. En fait, je ferais même pas ça. Je sais pas s'il y en a qui étaient venus pour ça. Je ferais même pas ça. Tu sais, l'espèce d'humour critique social pour essayer de changer le monde dans lequel on vit. J'en ai rien à calisser du monde dans lequel on vit. Bon, pas ma déclaration la plus populaire, mais je t'explique pourquoi je dis ça. Je trouve que souvent, les publics imposent ça à leurs artistes. Hein? Souvent, les publics sont comme ça, c'est le devoir des artistes de changer le monde dans lequel on vit. Non, non, ça, c'est votre job, c'est pas la mienne, OK? Anyway, vous les avez eu, vos artistes qui ont essayé de changer le monde dans lequel on vivait? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Rien du tout. Hein? Gérald Godin, Gaston Miron, Félix Leclerc, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Fuck out. On n'est pas plus un pays, on n'est pas plus avancé socialement, puis tous ces gens-là sont morts, déçus, vous m'aurez pas mes tabarnak. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est mon genre d'humour, ça. Moi, j'ai le genre d'humour que vous, vous arrivez ici de bonne humeur. Moi, j'arrive sur scène en tabarnak, je vous lègue ma haine, vous repartez de mauvaise humeur, puis là, moi, je suis de bonne humeur. All right. Pas tout le monde qui est d'accord avec le concept. Juste te dire un truc, si tu connais pas vraiment mon style, tu dis « Ah, je vais aller voir ça, je sais pas trop. » Si tu voulais un humoriste positif, t'as raté ton coup, OK? Ça fait pas partie de mes qualités. J'aimerais ça en passant. J'aimerais ça être l'humoriste positif, lumineux, qui fait en sorte que tout le monde repart en gambadant avec de l'espoir dans le cœur. Ça n'arrivera pas ce soir, OK? Moi, j'ai un talent pour le négatif. Moi, tu mets n'importe quelle situation, je vois le négatif tout de suite. J'ai comme une espèce de laser intégré, n'importe quelle situation, le négatif tout de suite. Et ça fait pour moi un bon ami, tu comprends? Exemple, l'autre jour, je suis au cinéma avec un de mes amis, puis à un moment donné, dans le film, il y a les pyramides d'Égypte, OK? Il y a des images des pyramides d'Égypte, puis mon ami à côté, comme waouh! Dire que c'est l'être humain qui a fait ça, c'est fou, hein? Pourquoi on n'a plus des belles grandes constructions humaines comme ça? Pourquoi on n'a plus des beaux grands projets humains comme ça? Parce qu'on abolit l'esclavage, c'est niaiseux. Tu as vu ça? Suite. Le négatif. Non, mais j'aimerais ça être positif parce que c'est le fun pour les gens autour de toi quand t'es positif. Hein? Comme, je sais pas si tu te rappelles de ça, il y a 2 ans, quand Michel Barrette empêchait quelqu'un de se suicider. Tout le monde se rappelle de ça? Pour ceux qui s'en rappellent pas, il y a un jeune qui était monté sur le pont Jacques-Cartier, il voulait sauter en bas, OK? Michel Barrette passait par là en char, a descendu de son char, il a convaincu le gars de pas se suicider, et j'ai trouvé ça tellement beau. Puis tout de suite après, je me suis dit, une chance, ça n'ait pas été moi, hein? Non, non, j'aurais essayé, mais ça n'aurait pas donné le même résultat. Non, non, j'aurais été de bonne foi, j'aurais fait, hey man, fais pas ça, man, fais pas ça, pourquoi tu veux te suicider, man? Parce que le monde, c'est de la merde! Ben, les bons points, pareil, c'est pas un cave, il a réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Non, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut raconter des menteries. Hein? Il y a une vie en jeu. C'est très important. Tu racontes des mensonges, c'est très important, une vie en jeu. Le plus populaire, c'est quoi? C'est comme « Ah, suicide-toi pas, tu vas le regretter! » Ben là, le suicide, c'est pas mal la seule à le faire. Tu peux pas regretter, tu vas être mort! Bon, à moins que tu crois à la vie après la mort, et si tu crois à ça, ben, c'est cute. Non, non, mais regarde. Moi, j'ai pas d'opinion par rapport à ça. Sauf que je trouve souvent ceux qui croient à ça, la vie après la mort, la vie éternelle, souvent on se donne ça à nous, les êtres humains, mais pas aux autres, hein? Pas aux animaux, pas aux insectes, pas aux plantes. Nous, on mérite ça, mais honnêtement, qu'est-ce que tu fais tant que ça qui mériterait que tu continues ta vie à l'infini? Hein? Mettons Dieu existe, là. Puis là, t'arrives aux portes du paradis, puis il y a Dieu qui est là, qui décide qui a droit à la vie éternelle ou pas. Penses-tu vraiment que t'aurais des chances, hein? T'as Dieu qui est là. Alors, on a les participants pour la vie éternelle. Tout d'abord, les insectes. Pourquoi on devrait vous donner la vie éternelle, les insectes? Ben, nous, on est tout petits, là, on est ridicules, on le sait, là, mais il y en a qui pollinisent dans la gang, c'est important, on pense. Hé, on n'avait pas vu ça comme ça, c'est bon. Vie éternelle. Les animaux, pourquoi on devrait vous donner la vie éternelle, les animaux? Ben, nous, on est dans la chaîne alimentaire. Hein? Tu brises la chaîne alimentaire, ça fuck tout. Hé, tabarnouche, on est pas tout fucké, c'est bon, vie éternelle. Les plantes. Come on, les plantes. Mais t'es pas la vie éternelle, les plantes, vous êtes juste des plantes. Ben nous, ça paraît pas, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend le CO2 pis on le transforme en oxygène. En gros, de la magie. Oh, les shit, vie éternelle. Les êtres humains, pourquoi on devrait vous donner la vie éternelle, les êtres humains? Elle m'a pas pour me vanter, mais je te garde du Costco pis je suis pas mal bon à Pokémon Go! Décalisse. Ça, c'est une affaire qu'on veut pas accepter, mais l'être humain, là, on ne sert à rien. T'enlèves tous les êtres humains de la planète, ça change absolument rien. T'enlèves tous les êtres humains de la planète, il n'y a pas un animal qui va faire comme « Chris, sont où ceux qui nous tuaient? Ils étaient smart? » Personne en a rien à chier, nous autres, OK? Non, mais c'est vrai, pourquoi on est toujours condescendant avec les animaux? Tu sais, quand on parle des animaux, les êtres humains, on est toujours comme « Ah! »
qui nous sépare de l'animal, l'être humain, c'est notre intelligence. Ah oui, totalement. C'est ce qui nous sépare de l'animal, c'est notre intelligence supérieure. C'est faux. Les animaux sont intelligents. T'sais, ils n'ont pas la même intelligence que nous, mais ils sont intelligents, les animaux. T'sais, les animaux, ils se regroupent, ils se camouflent, ils se protègent. Ils sont intelligents, les animaux. Ce qui nous sépare, les animaux, de l'être humain, c'est l'imbécilité. C'est vrai. Les animaux sont jamais imbéciles. T'sais, tu n'as jamais un ours qui n'a pas nourri ses oursons parce que tout dépensait sa paye d'un vidéo poker. OK? C'est jamais arrivé. Ça arrivera jamais. Hein, tu verras jamais une hyène qui a tout scrappé son environnement parce qu'elle trouvait ça fief, un char électrique. Non! Ce qui nous sépare des animaux, l'être humain, c'est l'imbécilité. L'être humain, on est cave des fois, on est niaiseux souvent. C'est notre caractéristique à nous. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ces mots-là en passant. Je sais qu'il y en a qui sont comme « Ah, ça c'est pas tes beaux mots, Guillaume. Ça, c'est des gens qui ont des difficultés d'apprentissage. » OK, non. Ça existe, les caves. T'es probablement dans le lot en passant. Non, mais c'est important de se rappeler qu'on a des niaiseux parmi nous parce qu'il faut dealer avec nos nonos. Et c'est important, tu sais. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est scientifiquement prouvé qu'il faut dealer avec nos niaiseux. J'ai vu une étude récemment. Vraie étude en passant. C'est des scientifiques qui ont fait ça. Ça a l'air qu'un groupe d'individus va toujours s'ajuster au niveau des personnes les plus stupides du groupe. C'est scientifiquement prouvé. Un groupe de personnes va toujours s'ajuster à ses éléments les plus niaiseux. Tout ça pour dire, ce soir, vous êtes un groupe, et statistiquement, c'est obligé, il y a au moins 2-3 niaiseux par pied à travers vous autres, et on n'a pas le choix, tout le monde, collectivement, vous et moi, de s'ajuster à leur niveau. Eh. Arrête de lever ta main, on le sait que t'es cave, OK? C'est pas... Ça, c'est réglé. Je parlais... Ce n'était pas un compliment, OK? Moi, j'ai ce genre de public-là. Insulte-moi, tabarnak, ça me fait bander. C'est pas un compliment. Ça pour dire, faut dealer avec ces trois niaiseux-là. Et non, mais c'est scientifiquement prouvé, on n'a pas le choix, il faut dealer avec eux autres. Êtes-vous correct? Hein? T'es-tu correct? Tu veux te battre maintenant? C'est rendu là? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Et tabarnak, il a de la misère à dire son nom. On est rendu avancé, Anastie. Il a pris une pause pendant son nom. Jean Pascal, tabarnak! Mais ça va, Jean-Pascal? Qu'est-ce que t'as bu avant de venir, Jean-Pascal? Des quoi? Des quoi? Attends, quoi? Les forts, là, je comprends pas quand tu parles. C'est ça qui est bizarre. Ouais? L-O-K-O. OK. OK. Fait que ça, c'est une drogue dure, hein? Est-ce que je comprends? C'est genre du bicarbonate de soude avec de l'eau de Javel puis du Drano. C'est difficile d'y parler parce que je sais pas à quel œil il faut que je m'adresse. Ah, ça dégénère, Jean-Pascal. Mais Jean, je peux-tu te demander un truc? Jean-Pascal, moi, je peux-tu te demander une affaire? Vu qu'on filme, tu peux-tu fermer ta calice de gueule? Ça serait-tu possible? Il est content, je l'ai assez insulté, il est heureux. All right. Mais je veux pas que tu continues à parler, mais juste te dire, ça fit que ça soit à ce moment-là, parce que je disais tantôt qu'il faut délire nos niaiseux, et c'est pas... Non, mais c'est vrai. Non, mais on n'a pas le choix, c'est les scientifiques qui ont décrété ça. Il faut délire nos niaiseux. Non, mais en passant, c'est pas... Là, je veux pas l'insulter, lui, parce que, tu sais... Non, tais-toi, OK? C'est terminé, ton moment de gloire est passé. Tu formes d'ailleurs. Ce que je voulais dire, les niaiseux, là, ils ont pas nécessairement l'air niaiseux, à part lui. En général... Non, mais c'est vrai, ils ont pas... Tu sais, non, mais les niaiseux ont pas nécessairement comme un chandail avec une tache de moutarde, avec un entonnoir sur la tête. Non, OK? Non. Hein? Non, c'est vrai, des fois, les niaiseux, ils ont l'air de vous pis moi. Ils sont comme juste là en ce moment, ils écoutent pas ce que je dis. Tout ce qu'ils disent, dans le tête. C'est quand qui va dire le mot pénis? C'est des plus, des. Ils sont de base, comme on dit. Et on n'a pas le choix de dealer avec eux autres. Et c'est de votre faute en passant. C'est de votre faute, les gens intelligents. Vous vous reproduisez presque pas. Les gens intelligents, ça se reproduit presque pas. Hein? Les gens intelligents sont comme, avec la situation économique actuelle, ce serait irresponsable d'avoir un enfant. Pendant ce temps-là, les niaiseux, à des boulets. Boum, un quart de plus, un quart de plus. Fourrez, les gens intelligents. Fourrez. OK. Ce segment-là du spectacle, je veux m'adresser seulement aux gens intelligents présents dans la salle ce soir. Non, toi, c'est pas toi. Seulement aux gens intelligents présents dans la salle ce soir.
OK? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Et en passant, j'espère, les autres, j'espère que tu sentais concerné. J'espère que tu t'es pas dit, quand c'est pas mon bout, m'en prendre un break, all right? Hey, ma vertrique, elle sera le mot plat. Gens intelligents. J'ai quelque chose de très important à vous dire, OK? Gens intelligents. Arrêtez de parler aux niaiseux comme si c'était du monde intelligent. Arrêtez de faire ça, OK? Tu perds du temps et de l'énergie, puis tu vas être déçu souvent. Meilleur exemple de ça, la personne intelligente qui parle avec des niaiseux, les lignes ouvertes. J'ai écouté ça, les lignes ouvertes, c'est fascinant. T'as un animateur intelligent qui parle avec des Mongols, mais on s'entend, des Mongols, puis leur parle comme si c'était du monde intelligent. C'est fascinant, les lignes ouvertes. T'as l'animateur qui est comme, alors on a le Gérard en ligne là, qui veut donner son opinion. Alors on vous écoute, Gérard, la ligne est à vous, on écoute votre opinion. Hey, tabarnak, les astras, ça s'y arrive, ça, les astralistes. Monsieur. Faites attention avec ce genre d'opinion, c'est un terrain glissant, faut nuancer ce genre de propos. Hey, tabarnak, si on a des jaquettes, faut des chefs. Monsieur. Je sais pas, vous avez pris cette information, mais c'est probablement erroné. Faites attention quand vous parlez. Raccroche, OK? Raccroche. Il n'y a rien à faire avec ça. Tu l'as senti, naître de toi quand même dans la gang qui était comme Christ, c'est vrai, ils ont des jaquettes, faut des chefs. Il faut faire attention, on va tous nous envahir, tu sais. Faut protéger nos chefs. OK. Moi, j'ai une idée récemment. C'est une idée très conne, en passant. C'est très niaiseux, mais je vais le dire pareil, c'est un show de mots. Je pense qu'on devrait avoir un permis d'opinion. Non, mais on a un permis de conduire. Tout le monde est d'accord avec ça. Le permis de conduire, même affaire que le permis de conduire, permis d'opinion. OK, t'as 15 points sur ton permis d'opinion et tu peux dire tout ce que tu veux, t'es libre. Tu dis tout ce que tu veux, sauf que ça se peut qu'à un moment donné, tu te fasses pogner parce que des agents d'opinion qui se prennent un petit peu partout undercover, on ne sait pas nécessairement ce qu'ils ont l'air et ils écoutent les conversations et ça se peut qu'à un moment donné, tu te fasses pogner. Ça se peut qu'à un moment donné, il y a un fasse comme. Excusez, monsieur, qu'est-ce que vous venez de dire? Oui, vous, qu'est-ce que vous venez de dire? Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous avez dit que les femmes ne pouvaient pas être juges parce qu'avec leur menstruation, ça fuckerait leur jugement. Votre permis d'opinion, monsieur. Oui. Ça, c'est 10 points sur votre permis. Vous êtes au courant de ça? Il vous reste 5 points sur votre permis. Vous avez une opinion semi-raciste et on vous retire votre permis. Bonne journée. Non? Pas d'accord? Okay, applaudissez-vous, lui qui s'en va, oh mon gag. C'est ça, ça s'en vient bien là. Bonne soirée, Jean Pascal. Fuck. Fait que c'est ça, gang, le LSD toujours après les spectacles d'humour. Sinon, c'est rushant un peu. Non, mais OK, mon affaire de permis d'opinion, pensez deux secondes, là. Mettons que tu te resterais un point ou deux sur ton permis d'opinion, tu ferais attention à ce que tu dis. C'est comme le permis de conduire, tu ne voudrais pas le perdre. Fait que tu serais nerveux avant de donner ton opinion. Hein? Fait qu'avant de donner ton opinion, tu ferais des recherches, tu nuancerais tes propos, parce que tu ne voudrais pas perdre ton permis. Ça serait cool, non? Ça serait la première fois de ta vie que tu entendrais Richard Martineau à télé des affaires comme « Je peux pas me prononcer, je sais pas de quoi je parle. J'ai fait aucune recherche. Mes émotions ne sont pas considérées comme des faits. Ma gueule. » Merci. Ah, tu vois, c'est pas une blague qui fait l'unanimité. Pour ceux qui ont pas aimé la blague, faites-en pas. Richard non plus, il l'a pas aimé. Il a pas trippé pantoute. Il est en tabarnak. Et... Non, mais OK. Là, OK, je vais dire un truc. Et tu sais, souvent, je fais des blagues, puis tout ça, je niaise sur scène. Mais là, je sors de mon personnage pour dire quelque chose que je pense pour vrai par rapport à ça, OK? À quelque part, j'ai du respect pour ça. Tu sais, les chroniqueurs, les éditorialistes, quand même, ces gens-là, ils donnent leur opinion à tous les jours sur tous les sujets qui existent. T'imagines-tu le niveau de connaissance qu'il faut que tu possèdes pour ça? Donner ton opinion à tous les jours sur tous les sujets de l'univers. Tous les sujets, une opinion, n'importe quel. L'austérité, les femmes voilées, le jambon tranché, tout! Moi, tu me demandes une opinion là-dessus, je suis de la merde, là. Tu me demandes une opinion là-dessus, je suis comme, attends un petit peu, je vais lire des livres, je vais parler avec des gens. Eux autres sont comme, fuck that, j'ai pas le temps. C'est ça, mon opinion. OK, vous n'avez pas l'air à réaliser à quel point ils sont précieux, ces gens-là. Là. S'ils n'étaient pas là, ces gens-là, pour avoir des opinions, qu'est-ce qu'on devrait faire? Réfléchir. Là, c'est marrant, on n'a pas le temps, on travaille. Et là, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de voler de tes propres ailes hors du nid. Non, tu peux rester au chaud dans le nid avec les autres petits oisillons, puis attendre la venue de maman oiseau qui va te régurgiter sa nourriture dans la bouche comme « Ah! 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 Voici mon opinion. » Ah, merci, Richard. C'est si bon, ton opinion. C'est tellement bon que je like et je partage. Ah, merci de partager les opinions de Richard. Donc, voilà qui règle le conflit. Moi, j'aime quand on règle ça dans le respect. Et,
C'est des blagues, en passant, OK? Je veux pas qu'on ait de permis d'opinion, c'est niaiseux. Puis Richard Martineau, il a le droit de dire de la merde. T'sais, non, non, mais il a le droit. J'ai le droit. C'est juste que je trouve qu'on est rendu habitué à ça. Hein? Tout le monde a les opinions, c'est blanc ou noir tout le temps maintenant. Hein? On n'est plus capable de nuancer rien. Puis je nous inclus là-dedans. T'sais, juste, t'écoutes la manière qu'on parle, les fois, on n'est plus capable de rien nuancer. Exemple. L'autre jour, je suis dans un café, OK? Que deux filles à côté de moi sont en train de boire un café. Ils sont là, relax, ils boivent un café. Il y en a une qui, en buvant son café, regarde son amie, elle fait comme « Oh my God! C'est le meilleur café ever! » Le meilleur café ever. T'es-tu sûr de s'informer? Le meilleur café de tous les temps. On était au Tim Hortons en passant. Le meilleur café ever. En passant, j'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est pas elle qui a bu le meilleur café ever. T'imagines-tu la catastrophe, toi? Si c'est elle qui a bu le meilleur café depuis les débuts de l'univers, les meilleurs grains de café, qui ont poussé dans les meilleures conditions atmosphériques, qui ont été cueillis avec soin, qui ont été apportés à un torréfacteur artisan, qui a apporté ça à un barista artiste, qui avait la meilleure machine espresso, il a opéré ça, il a servi ça, et c'était bu comme ça. En tout cas, je peux sortir avec Max, ça me tente, il a sorti avec ça genre dans comme deux semaines, je suis comme « Oh my God, c'est un café ever! » That's it. Le meilleur café ever a été bu par une tarte. C'est vrai, on a de la misère à nuancer. Puis c'est sûr que t'as déjà entendu cette phrase-là en plus. C'est sûr que t'as déjà entendu quelqu'un dire « Le café du Tim, c'est vraiment le meilleur! » OK, t'as le droit de l'aimer, mais nuance tes propos quand même. T'en serais-tu vraiment à l'aise d'amener ça à un Italien puis de dire « C'est le meilleur café ever! » Pense vraiment à faire « Ah, c'est vrai, c'est le meilleur café ever! » Tabarnak, t'es cœur, hein, t'as fait là, c'est... « Hey, tu t'ébouillantes la gueule, tu déroules le rebord, c'est malade, ça, gars! »« Hey, ça vient avec un bain qui donne la diarrhée! Moi, c'est le meilleur café! » Nuance! C'est important. Autre phrase pas nuancée que j'ai entendue l'autre jour, genre de phrase que t'entends des fois. J'ai entendu quelqu'un dire exactement cette phrase-là. « Ah, moi, là, je peux pas vivre sans la vaisselle. » Oui, tu peux, OK? En fait, je vois pas comment tu pourrais mourir par la non-présence d'un lave-vaisselle. Je pense pas que je vais assister à cette conversation-là un jour dans ma vie. « T'es-tu pour José? » Non, qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte. « Oh non, elle s'est pas trouvée de lave-vaisselle. » Ça va être correct, là. Tout le monde va être correct. Autre expression pas nuancée qu'on emploie souvent, que j'emploie, que vous employez, l'expression « y a-tu de quoi de pire? » Hein, souvent de ça. Hein, pour n'importe quelle situation, « y a-tu de quoi de pire? » N'importe quelle situation, dire, ah, mettons, tu te coupes avec un morceau de papier. « Oh my God! Y a-tu de quoi de pire qu'un paper cut? » Ça fait tellement mal! « Y a-tu de quoi de pire qu'un paper cut? » Veux-tu une liste? Vite de même se faire violer par un tigre, OK? Vite de même, un tigre sauvage qui plante ses griffes dans ton dos. Pas mal pire, c'est la pire cicatrice ever! Je n'ai réveillé une coupe, all right. Mais la pire expression, je pense que c'est l'expression qui me tape le plus ses nerfs, et je pense que ça me tape particulièrement ses nerfs parce que c'est l'expression préférée des Québécois. Tous les Québécois ont dit ça au moins une fois par jour, l'expression « pas pire hein? ». Tout le monde a dit ça tout le temps, « pas pire ». Comme ça va bien, toi, « pas pire, pas pire », avec ta blonde, « pas pire, pas pire ». C'était bon, ça, c'était « pas pire, pas pire ». Pas pire, c'est tellement loser, c'est nous autres, ça, c'est très québécois ça, pas pire, hein? C'est nous autres, c'est deux négations, c'est du non deux fois, c'est nous autres ça, hein? Pas pire. Les Québécois, on veut pas être les meilleurs, on veut juste pas être les pires, hein? On vise pas le haut, on gauge le bas. Mais je veux dire, c'est pas positif pas être la pire chose de l'univers, parce qu'il y a toujours de quoi de pire, on s'entend. N'importe quelle situation, il y a toujours de quoi de pire. Exemple, est-ce qu'elle est bonne, votre salade, monsieur? Je sais pas comment vous dire ça, mais il y a un verre dans ma salade. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu vomir dans votre salade. Hey, j'avoue, c'est pas la pire salade qui existe, c'est pas pire ici, on va revenir, c'est vraiment pas pire! Pas pire, c'est québécois. C'est viser le milieu, finalement. Hein? Les Québécois, on vise le milieu tout le temps. Hein? Pas trop haut, pas trop d'ambition, pas être des mange-marde. Pas trop bas non plus, on peut être des losers. Pas pire, le milieu. Puis ceux qui ont trop confiance en soi, ça nous tape ses nerfs. Hein? Une chance que Mohamed Ali n'avait pas été québécois. Tu sais, le gars qui a dit la phrase « Je suis le meilleur de tous les temps », le cerveau des Québécois aurait fondu, est-ce-t-il? Hein? Écoute, si Mohamed Ali avait été québécois, il aurait une carrière totalement différente. Tu sais, la phrase « I float like a butterfly, I sting like a bee », si Mohamed Ali avait été québécois, ça aurait été plus comme « Je flotte comme un papillon ». Ben, pas un papillon avec des couleurs fraîchies, là, un papillon avec des couleurs neutres. Il a des couleurs neutres, t'as sa place, fais ses affaires, dérange pas personne. Puis, bon, il vole pas au-dessus des gens, il est pas au-dessus du monde. C'est-tu quoi, c'est même un papillon encore? C'est une larve. C'est une larve, puis elle rampe la larve, puis je pique comme une abeille. Ben pas pour faire mal, là, je suis pas un violent, je suis pas un malade, là, je te touche même pas, je t'évite. Je t'évite puis je m'excuse. Pas comme une abeille, plus comme une mouche à fruits. Fait que c'est ça, je rampe comme une larve, je t'évite comme une mouche à fruits. Comme oh, je l'aime ce boxeur-là, il est trop humble pour gagner, je l'aime.
Il se fait péter la gueule à chaque fois, mais au moins, il est fin. C'est important qu'il soit fin. Moi, je veux que tout le monde soit fin. Bon, en même temps, vous allez me dire, on l'a déjà, ce boxeur-là, il s'appelle Lucian Bouté, mais... dis ça. Il y a une couple qui a une réaction québécoise comme « Oh! Il est pas pire, Lucian. C'est pas le pire boxeur de l'univers. » Non, on n'aime pas ça. La confiance en soi, ça nous tape ses nerfs au Québec. Je sais pas pourquoi. Autre exemple. L'autre jour, j'étais à l'épicerie. Il y a deux madames en avant de moi qui sont en train de regarder des revues à potins. OK, ils regardent des revues. Et là, à un moment donné, il y en a une qui, en regardant une revue, a fait comme « Ah! Oh, pas capable, cet artiste-là, il m'énerve. Il se trouve bon! » C'est ça son problème à lui, il se trouve bon. J'espère qu'il se trouve bon. Qui avance dans vie en se trouvant pas bon, hein? Qui fait comment compose une toune, le cinéma, m'en fait pareil. Qui fait ça? J'espère qu'il se trouve bon. Mais non, au Québec, on n'aime pas ça, hein? On veut que les gens se trouvent de la marre, mais nous, on leur dit qu'ils sont bons. Hein? Même si c'est pas vrai, nous, on leur dit qu'ils sont bons, puis après ça, on se tape dans le dos, on trouve donc qu'on est des bonnes personnes. Je pense qu'à cette mentalité-là, dans 5 ans maximum, on va juste aller voir les handicapés mentaux en show. Ça va être juste ça. Ça va être 1h30 de... Et que le public est comme « Oh, ça prend du courage, monter sur scène malgré tout. Hey, lui, il se prend pas pour un autre, hein? Lui, il est humble. » Bon, il vient de faire caca dans ses culottes de jogging. C'est ça qui est le fun de lui. Il sait qu'il y a de la marde. Il sent. C'est ça, le garde terre à terre. Puis il est fin, en plus. T'as faim, cet enfant-là. Il est fin. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est déjà ça le concept de la voix. Vous avez pas tort. Vous avez pas tort? Comment? C'est un peu ça, quand même? Non, c'est un peu ça, le concept. C'est comme, oh, t'as eu des problèmes quand t'étais jeune, puis t'as une trachéotomie. On va faire de toi une star, Johan. C'est un peu ça, le concept, non? C'est pas ça, la patente? C'est pas ça, le... Le trip? Un peu, hein? Il est-tu correct? Qu'est-ce qui se passe? Il chante comme ça, on sait pas pourquoi. C'est sûr qu'il colle pas une baleine, quelque chose est en train de chier, c'est bizarre. Non, il chante comme ça. OK. Moi, j'ai une théorie sur Johan. Je pense que c'est une bonne théorie. Écoute ça. Tu sais, le sifflet pour les chiens, que juste les chiens entendent la note. Je pense que Johan, il pogne une tonalité que juste les matantes pognent. C'est comme... Il faut le sauver! Mais c'est une blague en passant, pour ceux que. T'sais... Non, mais je sens que j'ai perdu des petites madames. C'est une blague, OK? J'ai jamais écouté la voix, j'ai aucune idée. Non, mais pas vrai, Johan, j'ai entendu ça une fois à radio et j'ai trouvé que bon, c'est un crime contre l'humanité. Et non, non, mais c'est pas grave, là. Il a le droit de vivre, puis anyway, la voix, je trouve ça a l'air un petit peu niaiseux, mais je juge pas ça parce qu'on est beaucoup à l'écouter. Fait comme j'ai dit tantôt, quand on est beaucoup, faut s'ajuster à nos plus nonos. Et non, non, mais c'est vrai. T'sais, si collectivement on écoutait juste des affaires intelligentes, faudrait changer tout. Hein? Si collectivement on écoutait juste des affaires intelligentes, faudrait donner des millions en subventions à toutes les émissions de TVA. On a ces 3 millions à écouter Découverte en tweetant comme « Oh, l'arsenic neutralise la leucémie. Hashtag Charles Saint Rules, bitch! » On n'est pas rendu là, OK? On est fuck all rendu là. Et je juge pas ça parce que moi, avec, j'écoute des affaires connes. Moi, je trippe ces affaires niaiseuses. Moi, je trippe ces émissions de cuisine, mais je cuisine pas. Je sais pas pourquoi j'écoute ça. En même temps, t'as pas le choix, c'est ça, à toutes les postes maintenant. Hein? C'est le pire concept quand tu y penses, une émission de cuisine. Tu peux pas goûter, tu peux pas sentir, tu peux pas toucher. Pourquoi t'écouterais ça? C'est comme si quelqu'un t'invitait chez eux, puis là, t'arrives là, t'es comme, waouh, ça a l'air incroyable, le buffet Thérèse, ça a l'air tellement bon. Moi, mais tu goûtes pas, tu respires pas, tu regardes, puis à la fin de la soirée, je te donnerai la recette et rôlera t'es chez vous. T'es comme, fuck you, Thérèse, concept de marde. Tu peux pas l'expérimenter, ça donne rien. La pire émission là-dessus, je sais pas si c'est ça, il existe une émission sur les épices. C'est un couple qui vont partout à travers le monde respirer tes épices. T'as un rack à épices chez vous que tu t'es jamais servi de ta vie, mais tu vas écouter pendant 1 heure des gens sniffer des épices en Malaisie. Comment ils ont l'air à sentir bonnes, les épices? Non, collectivement, on encourage les affaires niaiseuses quand même. Et je pense que l'affaire qu'on encourage beaucoup trop collectivement, il va falloir se calmer parce qu'on leur donne beaucoup trop de pouvoir, et j'ai nommé le show business. Et là, je le sais que c'est bizarre parce que ça vient d'un gars qui est dans le show business, et je sais que la plupart des gens regardent ça, puis hey, ça a l'air d'être le fun, être là-dedans, les gens ont l'air cool, puis tout ça. Tu serais déçu. Je te dirais, moi, j'ai trouvé une bonne analogie sur le show business récemment. Je te dirais qu'être dans le show business, c'est comme être dans un film de zombies
mais tu sais pas qui est zombie ou pas. Tu sais pas qui est infecté ou pas. Fait que tu fais attention quand tu parles aux gens parce que tu peux être infecté toi aussi, tu comprends? Fait que t'es toujours prudent, t'es comme « Hey, allô, ça va? Hey, ça va vraiment bien? Hey, c'est vraiment bon, les recettes pompettes! Hey, t'ont eu... » C'est exactement ça. Oh, on sent qu'il y a des gens qui trippent ces recettes pompettes. OK. Non, regarde. Je vais t'expliquer le problème que j'ai avec les recettes pompettes. Je trouve que c'est pas réaliste, pour vrai. Tu sais, qui est sous de même, pour vrai? Qui supporte pas l'alcool au point tu finis avec un poulet sur la tête à faire spinner des assiettes en dansant? Qui est sous comme ça, à part Jean-Pascal? Qui est sous comme ça? Moi, quand je suis sous, là, je suis exactement la même personne, sauf vraiment plus désagréable et négatif, OK? C'est la seule différence. D'ailleurs, il devrait m'inviter aux recettes pompettes. Juste pour ça, ça ferait une excellente émission. Un petit niaisage, un petit connerie, ça abrutit le monde, un petit pissé content. Ben là, la fais-tu la recette de quesadillas? Femme ta colisse de gueule, t'es pas dit de parler encore. OK, j'étais un peu de mauvaise foi quand même, parce que les recettes pompettes sont un bon concept quand même. Souliers des vedettes, bon concept, mais ils font pas pour vrai. C'est ça qui m'énerve, tu sais. Ils coupent les shooters avec de l'eau, je te le confirme. Moi, je veux voir des vedettes, je veux les voir sous pour vrai, OK? Je veux les voir après 18 shooters, quand ils sont scrap, qui sont vulnérables, qui craquent, qui pleurent en boule à terre. Je suis pathétique, je veux tout le temps de l'attention. C'est pas grave, Eric, c'est pas grave. Non, je trouve qu'on donne beaucoup trop de pouvoir au show business, même affaire pour les médias en passant. Et là, avant de parler de ça, je veux dire que moi, je pense qu'être journaliste, c'est le métier le plus noble au monde. Okay? Je le pense pour vrai, mais c'est vraiment pas tous ceux qui le pratiquent qui sont nobles. Et j'en veux pour preuve l'affaire Luca Rocco-Magnetta. Tout le monde se rappelle de l'affaire Luca Rocco-Magnetta? Tout le monde se rappelle de ça? Pendant cette affaire-là, okay, tous les psychiatres, tous les psychologues, tous les spécialistes s'entendaient pour dire qu'il fallait vraiment pas montrer son visage, il fallait nommer son nom le moins souvent possible, parce que c'est ça qu'il voulait, ce gars-là. Il a commis un meurtre dégueulasse, il a filmé ça sur Internet pour devenir une vedette internationale, et montrer son visage et nommer son nom, ce serait le récompenser et ce serait encourager tout ce genre de malades mentaux-là à commettre ce genre de geste-là. Qu'est-ce que les journalistes ont fait? C'est ça, tu sais, t'as des psychiatres qui ont des diplômes, qui sont comme, OK, là, les journalistes, il faut qu'on vous parle, très important, OK? Son visage, c'est non, vous le montrez pas. Et son nom, vous le dites le moins souvent possible. OK! Donc, on montre son visage le plus souvent possible, puis on dit son nom le plus souvent possible. Non, c'est pas ça du tout, j'ai dit, là. Tu l'as raté, on recommence, c'est pas grave, tu l'as raté, c'est pas grave. OK, hey, ici, regarde-moi, ici, dans les yeux, ici. Son visage, c'est non! Non! Et son nom, le moins souvent possible. OK! Donc, quand on montre son visage, on dit son nom le plus souvent possible. Non, c'est pas ça que j'ai dit. OK, je vais simplifier ça, là. Parle-en juste pas, OK? Parle-en pas. Il a commis un meurtre, il n'a pas commis 12, c'est pas la fin du monde. Parle-en juste pas. OK! Donc, on montre son visage le plus souvent possible, on dit son nom le plus souvent possible, on montre un extrait de sa vidéo, puis on fait sa biographie. Non! Et ça, c'est juste le journaliste du devoir, OK? Le journaliste du Journal de Québec est assis à terre en train d'écrire son article avec son caca, comme « Luca Rocco-Magnetta ». Non, mais c'est important d'avoir les gags subtils dans un spectacle. C'est bon pour l'intelligence du propos. Ça, bon, c'est... Moi, ça me fascine quand même quand je pense à ça. Tu sais, comme quand on encourage des médias débiles comme ça, c'est de notre faute en passant. Faut le prendre sur nous parce qu'on a Internet maintenant. T'as les téléphones intelligents, tu peux aller chercher des informations partout dans le monde. Quand on fait des gestes niaiseux, et j'en fais beaucoup en passant, et vous en faites, faut l'assumer parce que c'est de notre faute. On a Internet maintenant. À l'époque, quand t'étais niaiseux, c'était pas de ta faute. Tu sais, mettons, au moyen âge, tu te capes, t'as pas de ta faute. Tu sais, au moyen âge, personne savait lire. Le peu qui savait lire, comme 4 livres de disponibles. Au moyen âge, trois activités que tu devais faire, c'était comme écouter des ménestrels, brûler des sorcières, puis pogner les scorbuts. C'était les trois activités disponibles. C'est sûr, t'étais niaiseux, tu sais. Mais maintenant, t'as Internet, t'as les téléphones intelligents, tu fais des choix. C'est fou quand tu penses à ça. Ça te fascine pas de penser que quelqu'un qui écoute du Pitbull, c'est son choix. Parmi toute la musique qui est offerte, les Beatles, Miles Davis, Mozart, je vais écouter ça! Oh, il y a les fans de Pitbull. Ça, je m'y attendais moins, par exemple. Ça, c'est bizarre. Ah ouais? OK. Non, mais en même temps, je connais pas ça ben, là, t'sais. Non, mais probablement qu'il y a du talent, là. Non, mais ça va, tu te rends pas sur un yacht à slapper des culs de bitches sans avoir un certain quelque chose. C'est juste, je le pogne pas. Anyway.
ça pour dire, on fait tous des choix niaiseux, OK? J'en fais, vous en faites. Et je pense que c'est important d'en rire, justement, parce qu'on a fait ces choix-là. Hein? Faut avoir de l'autodérision sur nos choix niaiseux. Par contre, on peut pas rire de ceux qui ont pas fait le choix d'être niaiseux. Ça, ça se fait pas, par exemple. Hein? Tu peux pas rire de quelqu'un qui a une grosse tête hydrocéphale pis un sac banane. Ça se fait pas, c'est pas correct. Et, hey, on rit pas, j'ai dit, OK? Ces gens-là sont heureux, OK? Ces gens-là, ils vivent dans le moment présent. C'est ça qu'on veut, tout le monde vivre dans le moment présent? Ben, eux autres, ils le font, OK? Ils s'arrêtent pour regarder un papillon comme « Ah! » Ils respirent l'odeur du pain. Ah, ils flattent le chandail d'un inconnu. Tout! 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 C'est des épicuriens, à quelque part. Je veux dire, fuck Christian Bégin. Ça, c'est des vrais épicuriens. Tout ça pour dire, on fait tous des choix niaiseux, hein? J'en fais, vous en faites. Et je pense que l'affaire, c'est que justement, on a Internet maintenant. Fait qu'on a tous les choix du monde. Fait que quand t'as tous les choix du monde, tu vas prendre les choix les plus faciles, hein? Tu prendras pas les choix les plus difficiles. Et je pense qu'à long, à toujours prendre les choix les plus faciles, ça va nous fucker le cerveau un peu. Et je me suis rendu compte de ça récemment, parce que j'ai écouté un documentaire sur les Beatles, OK? Et dans le documentaire, les gars disaient qu'au début, il y avait des instruments, mais ils savaient pas jouer leurs instruments. Parce qu'il y avait pas Internet, il y avait pas de téléphone intelligent. Fait que pour apprendre les accords, fallait qu'il se passe ça entre eux autres. Et à un moment, ils ont appris qu'un de leurs amis avait un cousin qui connaissait un accord qu'eux autres connaissaient pas. Ils connaissaient B7 qu'eux autres ils connaissaient pas. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont pris leurs instruments, sont partis en autobus, ont fait 30 minutes d'autobus, se rendent jusque dans la ville voisine, ont été cognés chez ce gars-là qui connaissait pas. Man, on a su que tu connaissais B7. Oui, venez-vous-en, je vais vous montrer ça. Le gars a sorti sa guitare, leur a montré l'accord, les gars ont pratiqué l'accord, sont retournés à la maison, se sont rappelés de l'accord et ils l'ont pratiqué. Et c'est pour ça, c'est devenu le meilleur band de tous les temps, tu comprends? Parce qu'ils voulaient vraiment faire ça, c'était dans leur trip, ils ont fait des efforts. Mais maintenant, en 2017, apprendre les accords un après-midi sur Internet, c'est réglé, t'as pas fait d'efforts. OK, c'est pas clair, mon affaire, c'est pas clair. Non, mais regarde, je vais prendre un exemple plus proche de nous autres, puis tu vas comprendre, ça va être plus clair. OK, moi, quand j'étais jeune, voir des saints, c'était compliqué, OK? C'était la même affaire, c'était compliqué. On n'avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone intelligent, c'était la même affaire. On avait un ami qu'on apprenait que son cousin avait un Playboy. Fait que ce qu'on faisait, on prenait nos packs-sacs, on marchait des kilomètres, se rendre jusque dans la ville voisine. On allait cogner chez ce gars-là qu'on connaissait pas. Même, on a su que t'avais un Playboy. Oui, venez-vous-en, je vais vous montrer ça. Le gars sortait ça, feuilletait ça dans nos faces, on prenait des photos mentales dans nos têtes, on retournait à la maison, puis rendu à la maison, on se rappelait de ce qu'on avait vu en se pratiquant. Et... c'est plus clair. Le point de ça, c'est pas que je suis devenu le Beatles de la masturbation. C'est pas ça le point, OK? Quoique, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que des saints, pour moi, maintenant, ça va encore dire quelque chose, tu comprends? Parce qu'il fallait que je fasse des efforts pour en voir, j'en ai pas vu tant que ça dans ma vie. Fait que pour moi, des saints, c'est encore excitant, c'est encore érotique. Mais quelqu'un qui est dans vingtaine, qui est né avec Internet, des saints, pour lui, ça veut rien dire. Parce qu'il y en a tout le temps, gratuitement, ça fait plus rien. Fait que quand des saints, pour toi, c'est plus érotique, faut que t'augmentes le niveau. Hein? Faut que t'aies des images de plus en plus hardcore, jusqu'à temps que tu regardes un cheval qui pisse sur une naine. Comment ça, je me suis rendu là? Tu comprends-tu mon point? J'ai-tu gâché mon propos qu'une image trop forte encore? C'est ça qui est arrivé? Fuck! Anyway, ça pour dire, moi, je suis content d'être dans trentaine en ce moment. Ceux qui sont dans vingtaine, qui sont nés avec Internet pratiquement, je sais pas comment vous faites, parce que moi, j'aurais mal dealé avec ça. Parce que moi, dans vingtaine, je n'étais pas une bonne personne. En fait, mon problème dans vingtaine, c'est que j'acceptais pas mes défauts. En fait, j'étais rendu niveau 3 de la non-acceptation des défauts. Pour ceux qui connaissent pas ça, je t'explique. Niveau 1! De la non-acceptation des défauts. Tu me donnes le défaut, je le revire en qualité. Ça, c'est la base, OK? C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais c'est la base. C'est comme Guillaume, t'es vraiment prétentieux. Je suis pas prétentieux, je suis juste sûr de moi. Tu veux ça? Revire en qualité. Niveau 2 de la non-acceptation des défauts. Tu me donnes le défaut, je le revire en qualité, je contre-attaque avec un défaut. Ça, c'est plus difficile, OK? Ça prend de la dextérité. Moi, j'étais capable. C'est comme Guillaume, t'es vraiment prétentieux. Je suis pas prétentieux, je suis sûr de moi, mais c'est normal que tu penses ça, t'es insécure. Boum, dans sa gueule, rien vu à l'estime. Niveau 3 de la non-acceptation des défauts. Et ça, c'est fort. Il n'y a pas grand monde qui se rende là. Moi, je t'ai rendu là. Niveau 3 de la non-acceptation des défauts. Tu me donnes un défaut, je le revire en qualité, je contre-attaque avec un défaut et je te pardonne ton défaut me donnant la qualité d'être généreux. Niveau 3, boom, je suis un Jedi, bitch. Merci. Merci d'applaudir à quel point je te demande. Mais j'ai changé, gang. J'ai changé. Maintenant, j'accepte mes défauts, OK? Je le sais que j'en ai. Faut que t'acceptes tes défauts dans la vie, parce que c'est une force pour toi, en fait. Quand t'acceptes tes défauts, il n'y a plus personne qui peut te faire de peine après, parce que tu te connais. Tu sais, moi, tu peux faire des blagues sur moi, mais ça me dérange pas, parce que je fais des blagues sur moi avant toi, OK? En fait, mes blagues sur moi sont meilleures que les tiennes, OK? Non,
Non, tu peux t'essayer, ça me dérange pas, mais mes blagues sur moi sont meilleures que les tiennes. Il y en a qui s'essayent, des fois, ils viennent sur Twitter, Facebook, qui m'écrivent des affaires comme « Ah, je t'ai vu hier à télé, ton chandail était vraiment gay. » That's it, c'est tout ce que t'as pour moi. Mon chandail était gay. Et anyway, mon chandail était même pas gay, OK? Mon chandail était ambigu, comme un chandail qu'un homme en crise de la cinquantaine porterait pour aller dans un truck stop, recevoir son premier blowjob masculin, puis ensuite retourner à la maison, faire l'amour avec sa femme en pleurant, parce qu'il sait maintenant qu'il est homosexuel, puis qu'il n'aura pas le courage de recommencer sa vie, fait qu'il n'aura pas le choix pour restant de ses jours de se remémorer ce moment-là en se masturbant et en s'auto-strangulant parce qu'à quelque part, il veut maintenant mourir. C'est ça qui laissait transpirer mon chandail. Il était pas juste gay. Mes gags sur moi sont meilleurs que les tiens. Mon Dieu, une couple de faces perturbées. Hein, mon Dieu! Pauvre homme! Il n'existe pas pour vrai, en passant. OK? Je l'ai inventé. Il n'y a pas de pas avec ça, là. Ça peut te faire plaisir. Il l'a vécu, son homosexualité, finalement. OK? Il a fait le move. Ils se font des handjobs dans la cabine du truck. Ils se font des high-five collants. Tout est cool, OK? Ça finit bien. Arrête de chialer. Ça chiale tout le temps. Et là, tout ça pour dire, faut que tu acceptes tes défauts dans la vie. En fait, je vais aller plus loin que ça. Je pense que tout le monde, on devrait accepter que tout le monde, au fond de nous autres, sans exception, tout le monde ici ce soir, on a, au fond de nous, un trou de cul. Je sais que la plupart ne l'acceptent pas. Je sais que la plupart, c'est comme « Non, moi, je suis vraiment juste une bonne personne. » Non, OK? Non, mais c'est parce que dans la vie, il faut que tu acceptes ton trou de cul et après, tu essaies d'être une bonne personne. Sinon, tu sautes une étape, OK? Et ça ne fonctionne pas, sauter des étapes. Et souvent, les gens qui pensent sont juste des bonnes personnes, ils font des bons gestes pour eux et non pour les autres. Et quand tu fais des affaires juste pour toi et non pour les autres, ça donne le pire résultat. Hein? Les gens sont comme « Moi, je suis une bonne personne, je vais faire des bons gestes aujourd'hui. Oh, une petite vieille, je vais ouvrir la porte à petite vieille. » Même pas de merci à cette vieille plate sèche, jus de tabarnak! Tu le fais pour toi, pas pour elle. Non, mais ça me fait capoter les gens qui sont sûrs qu'ils sont des bonnes personnes. Sérieusement, c'est arrogant à la limite. T'es sûr que t'es juste une bonne personne? Parce que moi, j'essaie, là, en passant. Je suis dans votre clan, j'essaie d'être une bonne personne, mais il y a tellement d'affaires à faire. Il y a une liste infinie de choses à faire pour être une bonne personne. OK. Premièrement, pour être une bonne personne, faut que tu sois végétarien. Hein? Faut pas que tu tues d'animaux, c'est cruel, c'est pas gentil et c'est pas bon pour la planète. Et gars, moi, je suis pas végétarien, mais je ferai pas de blagues sur les végétariens. Hein? Je sais que les humoristes aiment bien ça, faire des blagues sur les végétariens. Toujours la même, d'ailleurs. Hein? C'est toujours comme « Ah, les végétariens sont tellement faibles! » Ah, tout le monde, applaudissements les végétariens en salle. « Oh non, ils sont pas capables d'applaudir parce qu'ils sont trop faibles! Les végétariens sont tellement faibles! » Comme vraiment, c'est juste les végétariens qui sont faibles. T'es-tu sûr de cette information-là? Va à la sortie d'un PFK demandant à n'importe qui, n'importe quelle activité physique, tu risques d'être déçu, OK? Pourrais-tu tenir mon parapluie, s'il te plaît? Ouais, ça sera pas là. Ah, fuck, j'ai trop mal au ventre. Donne-moi deux secondes. Ah, fuck, je vais juste m'asseoir ici pis suer de la face. Ah, j'aurais pas dû manger un baril au complet. Tu sais, oui, il y a des végétariens qui sont fatigants, mais il y a des gens qui mangent de la viande aussi qui sont fatigants, comme ceux qui mangent de la viande éthique. C'est comme la nouvelle mode, ça, la viande éthique. Les gens sont comme, moi, je mange seulement de la viande éthique. Ça, c'est de la viande d'animaux qui étaient libres. Et ça, on a le droit dans ce temps-là parce que l'animal, il était libre, il était heureux. Il gambadait dans les champs. On a le droit dans ce temps-là parce que l'animal, il était heureux, il était libre. T'es sûr, ça change quoi? Moi, si tu m'amènes à Ronde avant de me poignarder, ça se peut que je trippe pas quand même, OK? Comment, qu'est-ce que ça fait là? Tu m'as poignardé. Hey, fuck you, t'as fait le monstre deux fois. Ah, j'avoue, Mayel, t'es nice. J'étais heureux, j'étais libre. Mais oui, il y a des végétariens qui sont fatigués. Il y en a qui sont trop intenses, en fait. Dans leur manière de parler, des fois, ils s'expriment, ils utilisent des mots que t'es comme « My God, c'est hardcore », un peu comme... Exemple, l'autre jour, je suis dans une conversation, puis à un moment donné, une végétarienne, elle sort ça de manière super casual. Elle fait comme « Ah, moi, là, je suis vraiment nazie de l'alimentation. » Une nazie de l'alimentation? C'est quoi, c'est une nazie de l'alimentation? T'achètes de la bouffe cachère, t'as fait calcinofo? C'est quoi, une nazie? Vous l'avez ri, mes tabarnak, je vous ai vu, OK? C'est sorti de vos bouches. Vous pouvez plus leur rentrer. Vous êtes avec moi là-dedans maintenant, OK? Vous êtes des mauvaises personnes. Moi, j'aime ça quand les gens rient à des affaires comme ça. Ça réchauffe mon cœur. J'aime ça. Non, parce que je trouve que c'est une preuve d'intelligence, pour vrai. Je sais qu'on vous dit pas souvent ça, mais c'est une preuve d'intelligence. Parce que tu comprends dans ta tête que je pense pas ça pour vrai et tu as le droit d'en rire. Je trouve qu'on est rendu tellement hypocrite puis frileux avec nos rires maintenant. Exemple, moi, dans mon premier spectacle, j'avais des blagues sur les personnes handicapées, OK? Et à tous les soirs, ça fonctionnait. Tous les soirs, tout le monde trouvait ça hyper drôle, sauf quand il y avait des personnes handicapées dans la salle. Là, tout d'un coup, ça se disait pas, c'était scandaleux. Et je m'appelle d'un show en particulier, première rangée en avant, il y a une personne handicapée. Donc, tout le monde l'avait vu parce qu'il était première rangée en avant. Et que là, je commence à faire le show, ça va bien, tout le monde trouve ça drôle, jusqu'à ce que j'embarque des blagues sur les personnes handicapées. Et là, tout d'un coup, fret total. Fret total. Plus personne rit. Personne rit, sauf une personne. Lui, il est en avant, il est crampé comme «
en même temps, il était peut-être en tabarnak. C'est dur à décoder avec eux autres, mais... Je pense qu'il riait. Il me semble qu'il riait. Anyway. Tout ça pour dire être une bonne personne, c'est compliqué, là. Tu sais, moi aussi, j'essaie, mais tu sais, il y a tellement d'affaires à faire, c'est infini. T'sais. Comme, OK, une autre affaire pour être une bonne personne, faut pas prendre de drogue. Et bon, moi, j'aime ça. Non, mais OK. Mais j'ai quand même peur des dépendances aux drogues. Tu sais, parce que souvent, les gens qui sont dépendants de drogue, quand ils sortent d'une dépendance à une drogue, ils remplacent ça par une autre dépendance complètement ridicule. Mais là, faut faire semblant, c'est correct, parce qu'au moins, il prend plus de drogue. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, c'est mon comme, moi, avant, je mets du crystal meth, 24/24. Là, maintenant, je joue du xylophone, 24/24. OK, t'es weird. Hein? Pourquoi? C'est quoi le rapport? Dis-le la fin. Ou ceux qui découvrent Jésus. Moi, avant, j'étais toxicomane jusqu'à ce que je découvre Jésus. T'es sûr que de régler un problème réel avec une histoire inventée, c'est une bonne idée? T'es sûr de ça? Parce que moi, quand tu me dis ça, tout ce que j'entends dans ma tête, c'est comme si tu me disais comme « Moi, avant, j'étais toxicomane jusqu'à ce que je découvre Star Wars! C'est tellement nice! J'écoute les films tout le temps, je me déguise! » Tout le monde est comme « Hey, c'est le fun, hein? Steve, il va vraiment mieux. » Steve est dans le coin de la pièce comme « Vous êtes au courant qu'il est déguisé en princesse Leia, vous le savez ça ou... Mais là, en passant, j'essaie pas de rire des gens qui ont eu des problèmes dans la vie. C'est pas ça que je veux faire, OK? Parce que moi, j'aime les gens qui ont des problèmes dans la vie. Si tu as eu des problèmes dans ta vie, je t'aime. Parce que souvent, ces gens-là, ils ont de la sagesse. Hein? Vous avez de la sagesse, vous avez des bonnes anecdotes. C'est le fun de parler avec des gens qui ont des problèmes parce que vous avez des bonnes anecdotes. Parler avec quelqu'un qui a des problèmes dans la vie, c'est comme l'inverse de parler avec une chix, hein? Une super belle fille. C'est pas des bonnes anecdotes, une super belle fille. En fait, c'est toujours la même anecdote. C'est toujours comme, tu sais, je suis rentré là, puis là, je suis blessé, puis là, j'avais pas d'argent, puis ils m'ont dit, c'est correct, t'as des seins. C'est comme, oh my God. Non, ça, c'est une affaire que les gars disent pas souvent, là. Mais les chicks, là, c'est plate en tabarnak. Pourquoi on tripe là-dessus? C'est notre activité, les boys. On va dans un bar, puis on parle aux chicks. C'est l'affaire la plus plate qu'il y a. En fait, c'est toujours la même affaire. Hein? C'est toujours comme, allô, comment ça va? Pourquoi tu me parles? Je te gâche, tu veux me fourrer? Ouais, peut-être un petit peu, là. Ah, c'est parce que tout le monde veut me fourrer. Si dedans, fort, tu travailles plus fort. Qu'est-ce que ça? All right, des shooters. T'sais, c'est pas intéressant. Ça fait pas des belles soirées. Arrête de parler à chicks, tu le sais qu'elle est plate. Va parler à la fille dans le coin que personne ne veut y parler, là. Hein? Celle qui est toute seule dans le coin, là, qui a l'air des problèmes d'odeur. Non, mais vas-y. À des bonnes anecdotes, arrête de juger. Va y parler, tu vas passer une super soirée. Cette fille-là a d'excellentes anecdotes. Elle, tu y parles, fait comme, ouais, fait que c'est ça, là, j'ai pas pogné de mon second verre. Fait que j'ai lu le veau complet de Tolstoy en mangeant des biscuits double chocolat. Fait que j'ai fini par perdre ma virginité à 28 ans avec un Cubain qui m'a mis enceinte. Fait que je le ramène au Canada. Fait que j'ai fini par me faire avorter dans le Baxter, un indépendant chinois, parce que mes parents sont catholiques. Veux-tu que je te suce? Comme, nice. Excellente anecdote. Ah, il y a des fans d'anecdotes. All right. Ça pour dire qu'être une bonne personne, c'est vraiment un avantage. Quand tu penses à ça, là, tu sais, être une bonne personne dans un monde de trous de cul, c'est vraiment un avantage. Parce que moi, je pensais à ça parce que moi, il y a une couple d'années, j'habitais dans une coop d'artistes. Okay? C'est un building, il y a juste des artistes qui habitaient là-dedans. Et à un moment donné, on a eu un problème parce qu'il y avait un rack à vélo en arrière du building et il n'y avait pas de clôture pour fermer ça. Donc, chaque nuit, il y a quelqu'un qui venait voler un vélo. Chaque nuit, il y a un voleur qui venait voler un vélo. Donc, le comité sécurité s'est réuni pour parler du problème parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les coopératives, il y a plusieurs comités. Et là, je vous rappelle, c'est des artistes, OK? C'est des poètes, des sculpteurs, des comédiens. Voici la solution qu'ils ont trouvée. Ils ont mis une pancarte au-dessus du rack à vélo qui se lisait comme suit. « Nous sommes de pauvres artistes. Ces vélos sont notre seul moyen de transport. Veuillez ne pas les voler, s'il vous plaît. Merci. » Wow! La naïveté des poètes, des sculpteurs puis des comédiens. Nous allons combattre le crime par le pouvoir de l'amitié! Calinours, tous en formation, amour et compassion! Ching! Comme vraiment. Fait qu'évidemment, ça n'a pas fonctionné, hein? On a continué à se faire voler des vélos. Ça a dû fonctionner la première nuit, par exemple. C'est sûr, la première nuit, le voleur n'était pas capable de voler des vélos tellement il avait mal aux côtes à force de rire! Fait que ça, pour dire, être une bonne personne dans un monde de trous de cul, c'est-tu vraiment un avantage?
Je le sais pas. Et en même temps, tu sais, je sais que tout le monde, on essaie d'être des bonnes personnes, mais je pense que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être des bonnes personnes, mais pour tout le monde en même temps. Et il y a tellement de gens sur la planète, tu vas avoir de la misère. Tu sais, commence, pratique-toi avec les gens autour de toi avant. Tu sais, pratique-toi, en fait, pratique-toi dans ton couple. Ceux qui sont en couple le savent, être une bonne personne avec une autre personne, c'est compliqué, OK? Moi, j'ai 33 ans et j'apprends encore des nouvelles affaires sur le couple. OK, comme j'ai appris un truc récemment, je peux le transmettre, ça peut être utile pour certaines personnes. J'ai appris récemment qu'une preuve d'amour pour une femme en couple, c'est totalement différent d'une preuve d'amour pour un homme en couple. Une preuve d'amour pour une femme en couple, c'est quand son chum fait le quoi qu'il haït pour elle. Ça, c'est une preuve d'amour pour une femme. C'est comme, oh, t'écoutes un film que t'haïs pour moi. Ça t'a rendu malheureux. Ça a rendu ta soirée misérable. Ça veut dire que tu m'aimes. Ça, c'est une preuve d'amour pour une femme. Les gars, on n'est pas de même. Les gars, on peut dire à nos blondes, ah, viens écouter le hockey, chérie. Non, je sais que t'es ici, le hockey, mais viens l'écouter pareil. Viens me poser des questions sur les règlements tout le long de la soirée. Gâche nos deux soirées. Ça serait vraiment une preuve d'amour pour moi. Non. Parce qu'une preuve d'amour pour un homme en couple, c'est quand sa blonde, il câlisse patience. Et non, non, mais prends-le pas mal. Prends-le pas mal. C'est juste une autre manière de voir les choses, OK? C'est une autre manière de voir les choses. Une preuve d'amour pour un homme en couple, c'est quand il va voir ses chums de gars, ils sont comme, qu'est-ce que tu fais là, man? Ben, je suis là, c'est tout. OK, ta blonde avait de quoi, fait que t'as pu venir, toi, c'est ça? Ah non, je dis comme voir du fun et tes chums de gars, là, ça fait longtemps que t'es vu. Tabarnak, je pense c'est la femme de ma vie. Tu comprends? Ça, c'est une preuve d'amour pour un homme en couple. Par exemple, juste vous dire, les boys, ça marche pas à l'inverse, OK? Tu peux pas être un gars puis dire à ta blonde, ah, vas-y, chérie, voir du fun et tes chums de filles, qu'est-ce que tu complotes, mon tabarnak? Ça, c'est pas réversible. Fais ce que tu veux que ça. Autre affaire que j'ai appris sur l'amour récemment, c'est un conseil, OK? Ça, c'est un conseil pour les filles. T'es pas obligé d'écouter. C'est peut-être pas un bon conseil, mais je pense que c'est un bon conseil. C'est un conseil pour les filles en amour. Les filles en amour, n'écoutez jamais les conseils en amour de vos amis de filles. C'est de la merde, OK? Vous êtes pas bonne, les filles, de donner les conseils en amour aux amis de filles. Vous êtes trop impliqués. Vous aimez trop votre amie de fille, vous devenez comme trop positif, vous êtes trop optimiste. Hein, vous prenez votre amie de fille, vous la mettez dans un scénario qui n'existe pas. Hein? Prenez votre amie de fille, vous la mettez dans genre un clip de Destiny's Child, je sais pas quoi. Là, tu vas arriver chez eux, tu vas y lancer sa clé et tu vas dire « Je ne mange pas de ce pain-là. » Puis là, tu vas faire une chorégraphie. « All the single ladies! » Non, OK, c'est pas un bon conseil, ça, là. Vous êtes trop positif, vous êtes trop optimiste, ça donne les pires conseils. Ah, je commençais à fréquenter un gars, il est marié, il a des enfants, puis il dit qu'il veut juste me fourrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Allô, il est en amour! C'est comme... Qu'est-ce que c'est ça? Bon, moi, les filles, vous aimez ça, l'amour. Ça, c'est une affaire que je respecte de vous autres. Vous aimez ça, hein? Vous aimez en parler, vous aimez être en amour, vous aimez donner des conseils. Ça, c'est une affaire que j'aime de vous autres parce qu'un gars en amour, c'est pas la même game, hein? Un gars en amour, c'est mauvais. Un gars, c'est en amour, c'est en couple. Qu'est-ce que ça fait un gars en couple? Ça chiale 24 heures sur 24. Hein? Un gars en couple, ça chiale tout le temps. Un gars en couple, c'est... Je veux pas aller aux pommes, c'est une merde, aller aux pommes. Oui, oui, c'est une merde. L'épicerie des pommes, il y a des pommes, si tu fais frais de m'ouvrir des pommes, si j'en ai de marre, vivre. Arrête de chialer, OK? Pense-y deux secondes, là. Ta blonde, elle t'aime tellement que pour elle, une job de marre de Mexicain, c'est un beau dimanche après-midi quand elle fait que toi, OK? Ferme ta gueule, ramasse de l'obo. Non, les gars, on est mauvais avec l'amour. On n'en parle même pas entre boys. On parle jamais d'amour entre boys. Hein? On parle de sexe, par exemple. On se vante de nos relations sexuelles. On se vante de nos one-night stands. Mais dans le fond, quand tu y penses, un one-night stand, c'est quoi? C'est simuler un couple pendant la nuit. C'est ça que tu fais. Simule un couple pendant la nuit. Et le sexe, c'est le seul aspect du couple qu'on veut simuler pendant la nuit. Hein? Il n'y a aucun autre aspect du couple qu'on veut simuler pendant la nuit. Aucun gars qui va dans les bars dire « Hey, bébé! » Ah, je te ramène ça à la maison, on s'engueule pendant une heure sur la couleur des rideaux jusqu'à temps que tu sois en tabarnak, tu t'enfermes dans la salle de bain, fait que j'ai pas le choix de faire pipi dans le lavabo de la cuisine. Come on! Hein? Je suis pas tout seul? Non? Ouais? C'est le bout des pieds, il y a le lunch à côté, le cimard des vidéos, on s'en colle. Il n'est pas allé aux pommes, le cimard des pommes. Non, boys, on parle de sexe, hein? On parle de cul. On parle jamais de la réalité du sexe, par exemple, parce que la réalité du sexe, c'est quoi? C'est que ça donne un bébé. Et ça, on veut pas en parler. On parle jamais de ça. Mais pourquoi on en parle pas? C'est fou, les boys. T'sais, comme, les femmes font ça. C'est malade. Les femmes, vous faites ça. Faites pousser un être humain dans votre ventre. Vous le nourrissez par un tuyau. Puis vous le sortez par votre vagin. Fuck le clangevin. Ça, c'est un tour. OK? Ça, c'est un truc. C'est fou.
S'il y avait un concours sur l'aboutissement d'une relation sexuelle, les femmes nous plantent, les boys. Êtes-vous au courant de ça? S'il y avait un concours sur ce que tu peux faire après une relation sexuelle, les femmes nous torchent. Ça, c'est comme... Alors, les femmes, tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez faire après une relation sexuelle? Voilà. Un être humain, c'est ça. Tout ça, il va grandir, il va aller à l'université, il va faire du bénévolat, là. C'est ça. Fait que toi, l'homme, qu'est-ce que t'es capable de faire après une relation sexuelle? Moi, pas pour me vanter, mais je suis capable de changer des Kleenex en ciment. Moins impressionnant, je te dirais. Non, je sais pas pourquoi on parle pas de la réalité. La réalité est incroyable. Tu sais, les femmes, ce que vous avez, c'est fou, là. Je trouve qu'on en parle pas assez. Les femmes, ce que vous avez, c'est incroyable. Juste un vagin, là, c'est incroyable, le vagin. As-tu vu une de 200-300? Enfin, dis le mot vagin! Oh, oui, c'est ton bot, c'est ton bot. Non, non, mais gars, pour moi, c'est même pas vulgaire, un vagin, en passant, OK? Moi, un vagin, je trouve que c'est carrément de la magie. Je trouve qu'on en parle pas assez sur à quel point un vagin, c'est magique. J'ai vu ça, un vagin? Il a vraiment fait une hésitation. Ouais. Ouais, allez. Tu n'as vu combien à peu près de vagin? Non, non, réponds pas à ça. Faut jamais répondre. Il était là. Non, jamais. Jamais. On garde ça pour soi. Non, mais je t'en parle parce que je veux pas te mettre mal à l'aise, mais c'est juste que je veux qu'on décortique à quel point c'est merveilleux, un vagin. Et je trouve que j'ai besoin d'un allié là-dedans, OK? Si tu penses que ma démonstration, mon énumération, il n'y a pas assez de détails, tu ne connais rien là-dedans, cette cave-là, tu me le dis, il n'y a pas de problème. Moi, je le rajoute. Moi, j'ai aucun ego là-dedans parce que je veux qu'on décrive à quel point un vagin, c'est de la magie. Les autres, ils ont le droit d'écouter, OK? Tu peux prendre des notes, il n'y a pas de problème, OK? Mais toi puis moi, ensemble, on travaille pour décortiquer à quel point un vagin, c'est de la magie. Ça te tente-tu? Non, peu importe, on le fait pareil. Anyway, on y va. OK. Tout d'abord, un vagin. Je l'ai mis ici. Ça te va? C'est un bon spot pour toi ou je le laisse là? OK. Je le laisse là. Il est là. OK. Non, non, mais hey! Il est propre, là. Je n'ai même pas des vagins imaginaires sales. Je ne suis pas un malade. Je suis un artiste de la scène. OK. Il est propre. OK, on y va. Tout d'abord, un vagin. Ça a l'air de rien, hein? Ça a l'air de rien. C'est un petit trou, une petite fente. En même temps, c'est une fente qui a de la classe, une espèce de petite lèvre qui sort. Ça a l'air d'une espèce de chemise, d'un jabot de la Renaissance. Il y a de la dentelle là-dessus. C'est beau. C'est... Bon, pas tout le temps. Des fois, on s'entend qu'on dirait qu'il y a un pétard à mèche qui a éclaté là-dedans. Mais en général, c'est correct. C'est pas pire. Et là, tu regardes ça et tu dis, OK, c'est bien beau, il y a de la dentelle, tout ça, je suis bien content, mais c'est bien trop petit, c'est une petite affaire, grosement, ça rentre jamais là-dedans, mon âme. Ben non! Ça s'ajuste, un vagin! C'est de la magie. C'est un petit peu comme les calottes avec les snaps en arrière comme ça. Peu importe la grosseur, ça s'ajuste, c'est de la magie, c'est bien fait. Et là, tu regardes ça et tu dis, OK, il y a de la dentelle, c'est ajustable. Moi, je suis content, là. J'ai un kit de base. J'ai pas besoin de plus que ça. Mettez pas d'autres accessoires. Je suis un client satisfait. Ben non! Il y a plus sur un vagin. Je sais pas si on remarquait ça. Juste à l'entrée du vagin, juste au-dessus du vagin, une espèce de petite boule de chaise, une espèce de sonnette de réception d'hôtel comme ding ding. Je suis là. Fuck oui, t'es là. C'est gratuit. Il donne. C'est cadeau. T'as pas le commandé sur Internet. C'est toujours là. Bon, des fois, faut que tu le cherches à travers leur pétard à mèche, mais c'est toujours à quelque part là-dedans. Et là, tu regardes ça et tu dis, OK, il y a de la dentelle, c'est ajustable, sonnette de réception d'hôtel, je vais me demander ça, ils l'ont mis, moi je vois avec, point grave, tu sais. Mais là, j'en veux pas plus, là. Je veux pas plus, je suis un client satisfait. Ben non! Il y a plus sur un vagin. Et ça, c'est pas tout le monde qui le sait, par exemple, OK? Ça, c'est un petit peu comme les jeux vidéo. Tu sais, des fois, il y a un cheat code que tu peux faire, tu te ramasses dans un monde parallèle que pas tout le monde a vu, mais il y a la même affaire qu'un vagin. Et là, gars, je peux pas te faire le plan exact, mais il y a un angle, OK? Il y a une twist. Il y a un angle que tu peux pogner. Et là, tu pognes cet angle-là. Ouf, ça sort. Tu sais pas pourquoi. Il y a deux litres qui sortent. J'ai aucune idée c'est quoi. Ça pourrait être du lave-glace. Fouille-moi. Mais c'est magique, un vagin. Tu sens, on a perdu une coupe sur le quatrième point, hein? Tu l'as senti? On a une coupe qui était quoi l'affaire de. Hein? T'as-tu du lave-glace en dedans? T'as... Je sais pas, moi, trouve-les, je travaille, j'ai pas le temps, cette affaire-là. Faites vos expériences, gang, on a juste une vie quand même. Mais tout ça pour dire que vous avez des vagins, les femmes, OK? C'est magique, un vagin, c'est incroyable, OK? Et ça répond à votre question, là. Tu sais, souvent, vous demandez, hein, comment ça, les gars veulent tout le temps avoir des vagins, c'est fatigant. Vous avez des vagins, c'est magique, un vagin. Tu sais, les filles, vous pouvez pas comprendre, faut vous coucher avec des pénis. C'est dégueulasse, un pénis. J'ai vu ça, un pénis. Ben, au moins un, come on. Au moins un. À moins que tu te laves sa barre de savon en checkant pas comme ça. C'est au moins un. Non, mais je t'en parle parce qu'il faut comparer les deux, OK? Si tu veux savoir ce que tu as dans la vie, il faut que tu compares. C'est très important. Fait que, tout d'abord, un pénis.
C'est même pas de la même couleur que le restant du corps. Hein? On dirait un autre modèle qui a essayé de faire fitter là. C'est puis un modèle plus vieux, on s'entend. Hein? Parce que c'est ridé, un pénis, ça dégouline, un pénis, c'est déçu, un pénis. Ça marche une fois sur deux, un pénis, les filles. Des fois, ça marche pas, tu sais pas pourquoi. Comment ça, ça marche pas? Tu fais ça, faut que je le branche pendant la nuit. Et quand ça finit par fonctionner, un pénis, elle a la pire finale du monde. C'est dégueulasse, un pénis. Touche pas à ça. Fait que c'est ça l'affaire. C'est que les gars, on veut coucher avec des filles pour vos vagins, et les filles, vous voulez coucher avec des gars malgré nos pénis, et ça, ça fait de vous des bonnes personnes. Mm-hmm. Tu peux t'applaudir, la cochonne, y a pas de problème. Non, mais OK, par exemple, on éclaircit un truc. Oui, les vagins, c'est merveilleux, OK? Mais ça donne pas tous les droits, les boys, OK? Il y a comme une mode des gars qui se donnent tous les droits. Sans... Tu sais, les filles qu'on prenne pas nous autres, les gars, on peut pas se contrôler. On est pas capable, pas capable. Ça, c'est pas connecté avec ça. Mais pas de mini-jupe, tu cours après le trouble, les gars, on peut pas se contrôler. Ça, c'est pas connecté avec ça. C'est faux, les filles, écoutez pas ça, OK? Les gars, on peut très bien se contrôler. Moi, j'ai fait bien des niaiseries dans ma vie. À chaque fois, c'est ça qui a commandé ça, OK? Il y a aucun gars qui, tout d'un coup, en plein milieu de sa journée, achète, c'est reparti. Ah, fuck! Excusez, madame. Je suis vraiment désolé. Ça va durer juste 5 minutes. Puis après ça, je retourne écrire le Cosby Show. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, il y a une couple qui l'ont pogné. All right. Parlons-en de ça, justement, les gars. Faudra revoir nos techniques d'approche. Il y a encore des gars qui callent des filles sur le trottoir. Il y a encore des gars qui font ça. Arrêtez de faire ça, les gars. OK, je vais t'expliquer c'est quoi caller une fille sur le trottoir. C'est comme klaxonner une fille en char, sauf que t'as pas de char. OK? Tu klaxonnes avec ta bouche. Ça n'a jamais fonctionné. Il n'y a pas une fois depuis les débuts de l'humanité qu'il y a un gars qui a fait hey, « je l'ai dit que t'es vraiment hot. Oh my God, t'es tellement romantique, mais t'es descule dans ma bouche. Ah! » Zéro fois, ça arrive. Zéro. Faites pas ça, les gars. Les filles se sentent dégradées, se sentent comme un morceau de chair. Moi, d'ailleurs, j'ai un truc pour vous autres, les filles, pour la prochaine fois que ça arrive. Et gars, je sais pas si c'est un bon truc, là. Je l'ai pas essayé, je suis pas une fille, mais je te le donne. Je pense que c'est un bon truc. La prochaine fois que tu vois un gars sur le trottoir et tu le vois dans ses yeux qui va faire un commentaire dégradant sur ton physique, truc pour toi, les filles, fais un commentaire avant lui, pire que lui. C'est sûr, ça va le déstabiliser, OK? Tu fais un commentaire avant lui, pire que lui. Du genre comme, oh, là, on a si beau pen dans tes pants, man! Hey, rien qu'à pas mettre des pantalons serrés, on voit tout ton Christ de beau bat. Non, c'est folle, la colline, c'était qui, toi? C'est cadeau. Laissez-les. Non, sérieux, les gars, il va falloir revoir nos affaires, là, tu sais. Juste notre vision de c'est quoi un mâle est complètement dépassée. C'est quoi être viril, puis tout ça. Puis je m'inclus là-dedans, les boys, en passant, parce que moi, avec, je pense à faire conne des fois, puis tout ça, après, je suis comme, pourquoi je pense ça? Exemple, le jour, j'étais au gym, parce que je m'entraîne à la boxe, parce que baveux comme je suis, il faut que je me prépare toute éventualité. Et l'entraîneur physique au gym, lui qui muscle les autres gars, il est gay, OK? Et il est pas juste gay, il est super gay. Et là, je le regardais entraîner les autres gars, tu sais, ils entraînaient gaiement. Tu sais, t'es comme, avec les jambes, toujours les jambes, les bras, et là, je regardais. Et là, tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, il peut pas être entraîneur physique, ce gars-là, je veux dire, il est gay. Les gays sont pas puissants, sont pas virils. Et là, tout de suite, j'ai arrêté cette pensée-là, mais de quoi je parle? Les gays sont parfaits pour muscler les autres gars. Tu étais promené dans le quartier gay, toi? Tout le monde est shapé comme GSP, esti. Toi, t'arrives là avec ta shape d'hétéro, de comme, allô, comme, check, là, maman, là, c'est... Et là, tu penses à faire weird que t'aurais jamais pensé. T'es comme, je suis peut-être pas cote, mais j'ai une personnalité, fait que je mérite du harcèlement sexuel comme tout le monde. Tu penses à faire weird. Et pourquoi je pense à ça? Les gays, ils sont pas virils. C'est quoi ça? Pourquoi on a ce stéréotype-là dans la tête? Les gays, ils sont pas virils. C'est quoi ça? Les gays, ils sont pas virils à l'eau. Ils prennent des queues dans le cul. OK, fuck off, y a pas un gars hétéro ici ce soir serait capable de prendre une queue dans le cul, OK? Moi, tu me rentres une queue de 8 pouces là-dedans, je crie comme un fif. Comme, aïe, aïe, let's out, ciao, ciao! Regarde, les gars hétéros, on a un examen de la prostate. Une fois, c'est un doigt, on capote. Eux autres, ils se font rentrer des monstres veineux là-dedans qui crachent du venin. Ils prennent ça comme des hommes. C'est comme, après ça, ils courent aux toilettes pour expulser le venin. C'est comme, ah, oh, fuck, shit. T'as-tu trop ça? C'était-tu le bout de trop ou... C'est-tu le moment où j'ai passé une ligne ou y a-t-il un malaise? Honnêtement, ça, c'est juste mon gag pour fucker des douchebags. Je veux juste fucker des douchebags. Je veux qu'ils repartent à la maison ce soir, soient complètement fourrés dans le valeur. C'est quoi le affaire de Wagner? Faut prendre des queues dans le cul à ça! C'est quoi le affaire?
Ça me ferait plaisir. Mais ça n'a pas rapport. Les gays sont pas virils. Pourquoi j'ai pensé ça? Tu sais, on a plein de stéréotypes de même dans nos têtes qui n'ont pas rapport. Hein, puis on s'en rend pas compte parce qu'on vit tellement dans une société basée sur l'image maintenant. Tout le monde travaille son image maintenant. Hein, tu sais, avec les chirurgies plastiques puis tout ça. Rappelez-vous du temps où c'est arrivé ça, les chirurgies plastiques. On riait de ça. Hein? Tu sais, quand les faux seins sont arrivés, tout le monde trouvait ça hilarant. Là, maintenant, tout le monde accepte ça. Hein, maintenant, même la féministe la plus hardcore va dire des affaires comme « Ah non, c'est correct. Elle, je la connais. Elle n'a pas de seins. Elle s'est fait poser des seins. Puis elle a confiance en soi. C'est pour la confiance en soi. Elle n'a pas de seins. Elle s'est fait poser des seins. Puis elle a confiance en soi. C'est important. Il ne faut pas juger. C'est la confiance en soi. » Vraiment, la confiance en soi. T'es sûr, ça aide? « Ah, j'ai tellement plus confiance en moi depuis que les gars veulent venir sur mes tits. » Ça a tellement aidé mon cheminement personnel intérieur depuis que les gars veulent slapper les graines sur mes boules. Plus fort la confiance en soi, plus fort, pas trop fort, tu vas rouvrir les pointitures, vraiment. C'est la confiance en soi, ça. Les filles qui rient pas, fausse boule. Anyway. Non, mais gars, là, je ris des filles, mais les gars, on n'est pas mieux en passant, là. Hein? Les gars, on n'accepte pas de vieillir non plus. On est rendu ridicule. C'est comme le Viagra puis le Cialis. On touche pas à ça, les boys, OK? Le Viagra et le Cialis, tu ne touches pas à ça. La nature était bien faite, OK? Laisse la nature travailler. La nature a fait en sorte que le moment où tu peux plus baiser coïncide exactement avec le moment où t'es plus baisable. Touche à rien, OK? Impose pas ton scrotum pendant à tout le monde. Bon, là, j'ai l'air de rire de tout le monde et... C'est ce que je fais. Mais je suis pas mieux en passant à gang, OK? Je ris bien des gens, mais moi, je suis ridicule avec. J'accepte pas de vieillir. Je suis allé chez le dermatologue récemment pour mes problèmes de calvitie. Et, va chier. Et... Non, non, mais gars, je suis honnête, je le dis. Fait que je suis allé chez le docteur. Je lui ai demandé, t'as-tu quelque chose pour moi? T'sais, et là, il me dit, ah ouais, j'ai quelque chose pour toi. C'est une pilule. Tu prends ça, d'attitude, c'est réglé. Je suis comme, quoi? T'as pas à me greffer des poils de cul de babouin sur la tête, quelque chose, là? Ah non, on fait plus ça, les poils de cul de babouin. Là, c'est maintenant, c'est une pilule, là, c'est réglé. Je suis comme, ben là, donne-moi ça. Attends, par exemple, il y a des effets secondaires, là, quand même. Je dis, ouais, là, les gens, ils prennent ça. Ça doit pas être pire que ça, là. C'est quoi, les effets secondaires? OK, pendant que tu prends ça, c'est vraiment pas recommandé d'avoir d'enfants, mais vraiment pas. Tadam, c'est intense, quand même. Mais bon, j'aurai des enfants quand je voudrais être chauve, là. Fait que c'est quoi, les autres effets secondaires? Ouais, ça là, il n'y a pas grand monde qui l'aime, là. Pendant que tu prends ça, il y a des grosses chances que tu deviennes impuissant. C'est pas un effet secondaire, ça, c'est une catastrophe! Je veux dire, elle sert à quoi, ta pilule, d'abord? Il y a des filles qui viennent te voir dans un bar, comme « Oh my God, ils sont tellement beaux, tes cheveux! Je veux que tu me fasses un enfant! » Ouais, non, ça sera pas possible, ça! Mais non, c'est une manière de parler, là. « Je veux que tu me fourres! » Ouais, ça non plus, ça sera pas possible, Ce qu'on pourrait faire, par exemple, je te ramène à la maison, tu passes ta main dans mes beaux cheveux de prince en te roulant à bise. Là, c'est une merde, c'est quoi cette affaire-là? Fait que je l'ai pas pris. Non, je l'ai pas pris, mais pas pour cette raison-là, par exemple. Je l'ai pas pris parce que je veux des enfants, éventuellement. Pas de suite. Je me sens pas prêt à avoir des enfants, mais éventuellement, j'en veux. Par applaudissement, y a-t-il des gens qui ont des enfants dans la salle? Y en a-t-il? C'était l'applaudissement le plus triste que j'ai entendu depuis longtemps. J'ai plus d'âme. My God. Non, mais gars, j'ai pas le droit de vous juger les parents parce que vous vivez des affaires que moi, j'ai jamais vécues. C'est vrai. T'sais, vous vivez des trucs que moi, j'ai jamais vécu. Moi, ça m'est jamais arrivé de faire une dépression pendant une phrase. Les parents, ça vous arrive à tous les jours. Hein? Faites des dépressions pendant des phrases. Comme, tu déposes ça. Il y en a pas de ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu déposes ça et tu reviens ici. Il y en a pas de ça. Tu déposes ça. Je suis capable. J'aurais dû y venir, ça bédaine. J'ai pas le référent, tu comprends? Non, j'ai pas le droit de vous juger, les parents, parce que vous vivez des affaires difficiles et... Mais je vous juge pareil, des fois, parce que des fois, ça n'a pas d'allure. Comme moi, ce qui me fait rire, c'est les parents qui parlent leurs enfants et ils en parlent comme si c'était des adultes rationnels et responsables. Tu sais de quoi je parle? C'est des enfants, là. Et ils en parlent comme si c'était des adultes qui faisaient leur propre choix. Tu sais, genre de parents, tu sais, c'est quoi? C'est pourquoi faire que cet enfant-là, il mange tout le temps de chocolat? On sait pourquoi, il arrête pas, il mange tout le temps. On sait pourquoi faire, il arrête pas de manger de chocolat. Arrête d'y en donner, c'est une conne! C'est pas compliqué! C'est un enfant, il travaille pas, il n'y a pas de fabrique de cacao dans son garde-robe, c'est... On sait plus quoi faire, on t'écoute, il dit... Là, tu leur dis ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ben là, si on y en donne pas, il fait des crises! Toi, des crises, ça te convainc, on te mettra pas en charge d'une banque, hein? C'est un hold-up, madame, tu n'as même pas de fusil, monsieur.
OK, prenez tout, prenez tout, prenez tout. Ils font tout le temps des crises, ils veulent tout le temps de l'argent. On sait plus quoi faire, on était court d'idées. Mais j'ai pas le droit de vous juger parce que je veux des enfants, mais je suis pas prêt, OK? Je suis pas prêt et je sais même pas si la société en tant que telle est prête à avoir des enfants. Tu sais, là, on coupe en éducation, tout le monde s'en fout, hein? C'est vrai, j'ai même pas l'impression qu'on veut qu'en tant que société, nos enfants soient plus intelligents que nous autres. Et je plaide un peu coupable là-dessus, parce que je sais pas pour vous autres, mais moi, quand j'étais jeune en classe, on écœurait la personne la plus intelligente de la classe. T'imagines-tu à quel point c'est retardé faire ça? C'est comme, ha ha ha! Laurent, il est en train d'acquérir des bases pour son futur! Laurent, il va avoir du vocabulaire, va être capable de mettre des mots sur les émotions qu'il habite pendant des jobs de marbre pour voir compte tout ce qu'il disait LCN. Laurent, il est fif! OK, je vais dire un truc qui est un peu cliché, mais je le pense un peu. Je sais pas si je veux mettre des enfants au monde dans ce monde-là. Tu comprends? Tu sais, on vit dans un monde fucked up quand même, mais je sais pas si je veux mettre des enfants là-dedans. Et en fait, ça m'a fait réfléchir récemment, parce que j'ai lu un article, OK? C'est un vrai article en passant, tout ce que je vais dire là est vrai. C'est un article sur Michael Jackson, dans lequel il disait combien d'argent que Michael Jackson avait donné à un enfant pour pas qu'il poursuive en cours. Sais-tu combien d'argent que Michael Jackson a donné à juste un kid pour pas qu'il poursuive en cours? 23 millions. 23 millions! C'est plus que ce que je pensais, c'est un gros montant quand même, 23 millions. Parce qu'un enfant, il fait faire des souliers, c'est quoi? 15 cents $, un doigt d'infofoune, 23 millions. Il y a une différence quand même, il y a un gap là, tu sais. Oh, ça fait un fret. OK, ça fait un fret. Non, non, mais je comprends pourquoi ça fait un fret. Et j'ai réalisé aussi récemment que ça faisait un fret aussi parce que tout le monde est au courant de ça. Tu sais, pas le 23 millions, mais tout le monde était au courant que Michael Jackson a des problèmes avec les enfants et il y a personne qui a rien fait. Hein? Il y a personne qui a boycotté Michael Jackson. Et la raison est très simple, c'est que c'est impossible de boycotter Michael Jackson. Tu essaieras de boycotter Thriller, toi. Tu seras pas capable. Tu vas essayer, tu seras pas capable. Tu vas être comme, non, je me fous de cette chanson, je la boycotte 30 secondes plus tard. Cause this is Thriller! Ah, shit, le pédophile m'a encore eu. Tu sais, c'est des bonnes tunes, tu comprends? Bon, j'étais trop loin. OK, j'étais trop loin. All right, c'est bon, je change de sujet. OK. Mais honnêtement, entre vous et moi, 23 millions, c'est ton enfant. Qu'est-ce que tu fais? Réponds pas à cette question, c'est pas une vraie question, OK? Non, non, il y en a qui étaient comme, ben là, j'en ai trois, le dernier pas vite. C'est pas une vraie question, OK? Réponds pas à ça. Non, parce que moi, j'ai un point. Mon point est le suivant. C'est qu'on vit dans ce monde-là. Ça te fait pas capoter de penser à ça. On vit dans un monde où si t'as cet argent-là, tu peux te payer ça. Ça te fait pas capoter de penser à ça. En fait, si t'as assez d'argent, tu peux te payer tout ce qui existe, y compris les politiciens. T'sais, on l'a vu pendant la commission Charbonneau, et ça coûte pas 23 millions. Hein? 2 000 $, 3 000 $ à une campagne, t'as des retours d'ascenseur de millions de dollars en contrat. Pire que ça, Nathalie Normando qui s'est faite pogner, ça coûtait des billets pour Céline. Des billets pour Céline! Puis Nathalie Normando, c'était une des mieux placées dans le gouvernement. Ça, ça veut dire que du monde en dessous d'elle que tu peux acheter pour genre une carte cadeau du Best Buy, ici. Une carte cadeau du Best Buy, c'est réglé. Pourquoi on est pas en tabarnak, hein? Tu sais, après, c'est le monde qui nous fourre, là. Tu sais, le 1%, là, qui nous fourre. Pourquoi on se révolte pas collectivement contre ces gens-là? Moi, j'ai une hypothèse. Moi, je pense qu'à quelque part, on aime ça. Je pense qu'on aime l'idée, hein, d'une espèce de groupe select qui ont tous les pouvoirs, qui ont tout l'argent, que les lois s'appliquent pas à eux, parce qu'on se dit que peut-être nous aussi, un jour, on va être là-dedans. Hein? On se dit que si on travaille fort puis on est chanceux, nous aussi, un jour, on va être là-dedans. Mais ce qu'on réalise pas, c'est que c'est impossible que ça arrive. Et je vais te mettre ça en perspective, que tu réalises à quel point tu seras jamais dans cette gang-là. Philippe Couillard, notre premier ministre, n'est pas dans le 1%. C'est son rêve, mais il n'est pas dans le 1%. Le seul avantage qu'il y a sur toi, c'est que dans sa vie, il va rencontrer des gens du 1%. Hein? Il y a des gens du 1% qui vont lui serrer la main comme « Ah, quoi? Philippe qui? Quoi? Couillard? C'est un vrai nom? Ça te va bien? » C'est le seul avantage, tu comprends? OK, c'est un peu un mensonge ce que je viens de dire là, parce que Philippe Couillard, il est dans le 1%. Il est dans le 1%, mais du Québec. Tu sais, le 1% du Québec, c'est comme être le plus riche de Val-Bélair, tu comprends? T'as du monde pas dedans qui viennent te voir. T'as les moyens de te payer un dentiste, toi! C'est pas impressionnant. Mais il est pas dans les plus riches mondialement. C'est ça que je voulais dire. Et il sera jamais, et moi non plus, et vous non plus. Regarde, je vais te mettre ça en perspective, que tu réalises à quel point tu seras jamais de ta vie dans bonne gang. Bill Gates, l'homme le plus riche de toute la planète, possède 75 milliards. Et là, je te dis ça, 75 milliards, et tu comprends pas ce nombre-là, parce qu'on n'est pas habitué de délire avec des nombres comme ça. Moi non plus. Fait que j'ai fait des calculs pour nous autres, pour mettre en perspective c'est quoi 75 milliards. Écoute bien ça, tu vas capoter. Si tu voulais obtenir 75 milliards dans ta vie, faudrait que tu gagnes au loto 649 un gros lot de 5 millions à tous les jours pendant 40 ans. Ça n'arrivera pas, OK? À moins que tu sois mardeux en tabarnak.
C'est impossible que ça arrive. Et gars, là, je te l'ai mis dans une perspective qui n'est même pas réaliste. Il n'y a personne ici qui va gagner même juste un gros lot de 5 millions. C'est pratiquement impossible. Les chances sont presque nulles. Je vais te mettre ça dans une perspective un petit peu plus réaliste. Mettons que tu gagnes 200 000 par année. On s'entend que 200 000 par année, la plupart ici, on serait contents. Hein? On se considérerait riche. Mais avec 200 000 par année, pour rattraper Bill Gates, faudrait que tu travailles pendant 375 000 ans. Faudrait que tu te réincarnes 4 366 fois. Toi, c'est incluant que tu travailles même quand t'es un enfant, hein? Parce qu'on s'entend, t'essaies de rattraper Bill Gates, hein? Ouais, il travaille, mon petit fœtus. T'sais, c'est fou pareil quand on se pense à ça, là. OK, je vais te mettre ça en perspective une dernière fois, puis après ça, je te lâche avec ça. Je sens qu'il y en a qui sont tannés, qui veulent que je change de sujet, qui trouvent ça plate. Inquiète-toi pas, OK? Dernière perspective, après ça, je vais redire le mot vagin. 75 milliards. OK, avec 75 milliards, Bill Gates pourrait se payer 3200 enfants. Si Michael Jackson avait le budget de Bill Gates, il aurait pu fourrer à tous les jours pendant 8 ans. Il aurait pu fourrer jusqu'à temps que ça chauffe. Oh! OK, j'arrête. Il y en a une couple qui sont pas sûrs d'applaudir. Ben là, c'est un gag ou c'est la vérité? C'est bizarre, je mange pas à l'aise. C'est pas trop, là. C'est supposé être drôle. Le point, c'est que je suis pas prêt à avoir des enfants. C'était ça mon point. Non, parce que souvent, les gens qui ont des enfants, vous avez des enfants parce que vous voulez une extension de vous-même. C'est ça qu'on veut. On veut une extension de nous-mêmes. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de mettre une extension de ça sur sa planète. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'en mettre un autre comme ça sur sa planète. En fait, je sais que ma blonde serait pas contente. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais ce que fait aujourd'hui ton fils à l'école? Il a traité sa professeure de conne et tous ses camarades de classe de retardés parce qu'il avait ri d'eux parce qu'il a eu des bonnes notes. Yes, high five, mon gars. Good job, good job. Là, ce que tu vas faire, tu vas prendre ce rejet-là, tu vas l'emmagasiner à l'intérieur, tu vas laisser germer dans ton cerveau jusqu'à temps que tu sois tellement déstabilisé mentalement que tu as besoin de rechercher l'amour et l'approbation de centaines d'étrangers à tous les soirs. Tu vas être malheureux, mais tu vas être riche. Oh, trop de vérité. OK, c'était malaisant. Non, parce que je sais pas si je veux élever des enfants parce que j'ai pas été bien élevé moi-même. Et c'est pas de la faute de mes parents en passant. C'est un peu le système d'éducation parce que moi, j'ai été à l'école publique et c'était peut-être différent à l'école privée. Je le sais pas parce que souvent, tu jases avec des gens qui ont été à l'école privée. Toujours des questions bizarres, ces gens-là. Hein? Toujours des questions comme « Toi, Guillaume, quel professeur a changé ta vie? » Aucun. Les autres ont toujours une réponse prête. Moi, c'était le professeur Proflovski, professeur de philosophie. Il était entré dans la classe, il a mis une poire sur le pupitre et fallait résoudre l'énigme de la poire. Cette énigme m'a suivi toute ma vie. Moi, j'ai aucune anecdote comme ça, OK? Moi, il n'y a aucun professeur qui a changé ma vie. Par contre, j'ai changé la vie de beaucoup de professeurs. Holy shit! Qui c'est qui a mis des condoms avec des photos d'enfants dans ma mallette en cuir? Je peux perdre ma job pour ça. J'essaie de vous transmettre du savoir. J'ai changé la vie de beaucoup de professeurs. OK, mais en même temps, c'est un peu un mensonge, ce que je viens de dire là. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai changé la vie de beaucoup de professeurs. Par contre, moi, il y a un professeur qui a changé la mienne. Et j'en parle parce que c'est à cause de ce prof-là, si je fais de la scène maintenant, c'est à cause de lui, si je monte sur scène, soir après soir, en fait, c'est carrément à cause de ce professeur-là, si je fais de l'humour aujourd'hui. Et j'ai le goût de vous raconter cette anecdote-là, parce que vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Vous allez comprendre d'où je viens, pourquoi je fais de l'humour. Donc, pour comprendre pourquoi je fais de l'humour, pour monter à mon secondaire. Et moi, à mon secondaire, j'étais un loser total, OK? J'avais pas d'amis, les filles s'intéressaient pas à moi, jusqu'à ce que je découvre l'humour. À un moment donné, j'ai découvert qu'en faisant des jokes, tout d'un coup, j'avais des amis, les filles s'intéressaient à moi, fait qu'en découvrant cette espèce de pouvoir magique-là, je décide de le développer en m'inscrivant à l'option théâtre de mon école secondaire. L'option théâtre de mon école secondaire, comment ça fonctionnait? Première partie de l'année, on faisait des ateliers d'impro, de théâtre et tout ça. Deuxième partie de l'année, on montait une grosse pièce de théâtre qu'on allait présenter à fin de l'année à l'auditorium de l'école devant toute l'école. Donc, première partie de l'année, on fait les ateliers d'impro, de théâtre et tout ça, et ça va bien. Je suis comme un des meilleurs de la classe. Et quand tu es un adolescent loser puis tu découvres un talent, c'est important. Hein? Ça donne une raison de te lever le matin, ça donne espoir en le futur. En fait, pour la première fois de ma vie, je me sens pas complètement inutile. Deuxième partie de l'année, on monte la grosse pièce de théâtre qu'on va présenter à fin de l'année devant toute l'école. Donc, le prof de théâtre entre dans la classe pour nous annoncer son choix de pièce de théâtre. Parce que oui, en passant parenthèse, le prof de théâtre, c'était un vieux gay, OK? Et bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les clichés dans la vie, mais des fois, la vie est un cliché, désolé. Fait qu'il rentre dans la classe. Bon! Là, la pièce de théâtre que j'ai choisi, c'est le magicien d'Oz. Tout le monde, d'accord, le magicien d'Oz? Donc, ce que vous faites, vous prenez la pièce et vous la feuilletez.
Vous la feuilletez. Vous la feuilletez. Vous la feuilletez. Et vous choisissez votre rôle favori dans la pièce. Vous l'inscrivez sur un bout de papier. Vous inscrivez vos deux autres choix. Vous pliez le papier. Vous me donnez le papier. Et je vais choisir les rôles en fonction de ça. Fait que moi, suite, je lis ça et je veux faire l'épouvantail. C'est le plus drôle de la pièce. Il est physique. C'est fait pour moi. Il faut absolument que je fasse l'épouvantail. Donc, j'inscris ça sur le bout de papier. J'inscris mes deux autres choix. Je plie le papier. Je donne ça au professeur. Le lendemain, le prof entre dans la classe pour nous annoncer ses choix. Bon! Là, va d'annoncer mes choix. OK. Avertissement à tout le monde, avertissement, OK? Si c'est pas votre premier choix qui sort, pas de panique. Ça va être votre deuxième choix ou votre troisième choix au pire aller, mais inquiétez-vous pas, tout le monde va avoir un rôle. Mais moi, je suis comme, whatever. Tu sais, je veux juste monter sur une scène pour la première fois de ma vie. Je veux vivre mon rêve, peu importe le rôle, je vais être content, je veux vivre mon rêve. Donc, premier rôle, il commence à descendre les rôles. Premier rôle, le magicien d'Oz, pas moi. Good, pas lui, je voulais. Dorothée, pas moi. Parfait, ça serait insultant. L'épouvantail, pas moi. Là, je suis comme, fuck! Moi, ça, c'est pas moi. J'aurais été parfait pour ce rôle-là. Fuck! En plus, j'ai tout appris les lignes. Ça, shit. Mais bon, okay, c'est pas grave. Je vais pas faire mon bébé. Là. Mon deuxième choix, c'est le lion. Hein, le lion, il y a le fun. Il y a des bonnes lignes. Ça va être le... Je vais vivre mon rêve. Je vais faire le lion. Je vais vivre mon rêve. Je vais monter sur une scène. Le lion, pas moi. Et là, il commence à descendre tous les rôles. L'homme de fer blanc, pas moi. Munchkin numéro 1, pas moi. Munchkin numéro 2, pas moi. Singe numéro 1, pas moi. J'ai même pas eu un fucking singe. J'étais le seul de toute la classe qui a pas eu de rôle. Et là, je capote. Je suis comme, il y a une erreur. Là. Je suis le seul de toute la classe qui a pas de rôle. Ça se peut pas. Et les autres élèves aussi capotent. Ils sont comme, Guillaume, c'est comme le meilleur de la classe. Comment ça, il n'y a pas de rôle? Et là, le prof voit la panique dans mes yeux. Il me regarde et il me dit, Guillaume, calme-toi. Viens me voir après le cours. Faut que je te parle. Et là, je suis comme, OK, il a écrit un rôle spécialement pour moi. J'étais tellement bon, j'avais tellement un talent unique qu'il a passé la nuit à écrire un rôle qui n'avait pas originalement dans la pièce. Il ne voulait pas le dire devant les autres pour ne pas les rendre jaloux. Je comprends. Donc, la classe se termine, les élèves s'en vont, comme prévu. Lui, il reste, il ferme la porte, il se dirige vers moi, il s'assoit devant moi, il me regarde et il m'a violé. Bon, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Avoue que ça aurait été malade comme fin d'année, ça aurait été fou, hein? Oh oui, tu veux le faire, l'épouvantail, moi, t'as le rembourré, ton épouvantail. C'est pas ça, OK? Mais non, je sentais qu'il y avait une tension, les gens disaient, il s'en va où avec ça? Je voulais juste briser ça, OK? OK, on arrête le cabotinage. Vraie anecdote, vraie anecdote. Fait que là, il s'assoit devant moi, il me regarde, et il me dit, je me sens assez mal, Guillaume. Je me sens mal parce que tu ne joueras pas dans la pièce. Je suis comme, quoi? C'est un cours de théâtre. On est noté en fonction de ça. Pour ma note, ça fonctionne comment? Ah, inquiète pas pour ta note. Tu vas avoir une bonne note quand même, mais tu ne joueras pas dans la pièce. Mon erreur. Fait que j'étais le seul de toute la classe qui n'a pas pu jouer dans la pièce. Hein? Il fallait que je vienne à l'école quand même pour avoir ma bonne note. En fait, il fallait que je participe, mais je pouvais pas. Fallait que je subisse ça. Fallait que je voie tous mes amis qui sont nerveux, qui apprennent leur ligne, vont monter sur une scène, vont vivre leurs rêves, ils font leur costume, leur décor. Et je vais me rappeler toute ma vie de la représentation finale à l'école. L'auditorium est plein à craquer. OK, tout le monde est là. Tous mes amis sont là, tous mes professeurs sont là, tous les parents d'élèves sont là. Et moi, je suis dans la foule. Je voulais pas être en coulisses, vivre leur nervosité. Je pouvais pas monter sur scène, tu comprends? Et je suis tout seul. Je n'ai pas invité mes parents, parce que j'ai trop honte de pas être choisi dans la pièce. Et je vais me rappeler toute ma vie. La pièce de théâtre commence et on est dans le noir. Et moi, je suis à côté des parents qui pleurent parce qu'ils sont fiers de leurs enfants. Puis moi, je suis à côté puis je pleure pas parce que je suis fier. Et c'est pour ça que je fais de la scène maintenant. C'est pour ça que je monte sur scène, soir après soir, pour y montrer au vieux tabarnak! J'ai été parfait pour faire l'épouvantail, fuck! Je suis drôle, mon colis! Je remplis des salles partout à travers le Québec. Olivier, découverte de l'année. Révélation juste pour rire. Calisse! Fait que c'est pour ça que je fais de l'humour aussi. Guillaume, on pensait que tu faisais de l'humour pour voir nos beaux sourires soir après soir. J'en ai rien à calisser de vos sourires! Je fais ça par vengeance! C'est-tu qui a pris pour faire l'épouvantail? Tu le sais pas, tu t'en calisses, moi, tu le disais pareil. Simon Bouillon.
Tu sais pas c'est qui? Exactement! J'étais voir sur Facebook, j'étais voir. Sais-tu ce qu'il fait maintenant, Simon Bouillon? Il a liké Pitbull, il partage des articles de Richard Martineau, je suis sûr qu'il se masturbe en s'auto-strangulant! C'est un loser! Fait que c'est ça, je suis pas prêt à avoir des enfants.